kisses, prolong the embraces. We were always ones for the breakaway. But we're nearing chances to wake the day. They're calling you over, their methods are bolder. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, the fire away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. To me, say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, but fire away. But I'm a heavyweight. Et bonjour tout le monde. Attendez juste. Baissez la musique, tranquillou. Comment allez-vous en ce samedi fin d'après-midi? Fin d'après-midi, puisqu'il est 18h02. Moi, en tout cas, ça va super. J'espère que vous avez passé un bon début de week-end. Vous avez passé une bonne journée et que ça va continuer ainsi en ma compagnie ou celle des copains. Je vais vous mettre le lien du multi-twitch si vous ne l'avez pas.
Hop. Pour aller voir les copains également qui sont en live, on va les rejoindre tout à l'heure en vocal. Et on dit bonjour à Le Cinglé, à Mazeron, à Peluche à l'abordage. Il y avait My RVS aussi. Bonjour à vous, installez-vous tranquillement. On va. On se retrouve aujourd'hui pour l'event. On est là ensemble 3 heures. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. On n'a pas eu trop d'infos sur l'événement. On sait juste la zone sur laquelle il faut qu'on se rende. Qu'il faut qu'on soit un groupe de 20. Rien vraiment de plus. Oui. T4 flat maximum. Donc pas de T4.2 autre pour les joueurs. Les streamers ont le droit d'avoir ce qu'ils veulent. Donc nous, on va rester en T5. Écoutez, pas de soucis là-dessus. Salut à toi Ludofan et salut Ralimes et salut Scofon. Du coup nous on va rester en T5 tranquillou. Je vais mettre un poil de musique. Je baissais le son, on l'avait monté hier mais désolé pour moi c'est un poil trop fort. On va le remettre à 50, ça devrait être pas mal. Hop là. Du coup on a une zone sur laquelle on doit aller. C'est que je dise pas de bêtises. C'est la zone des bateaux, c'est là je crois. Voilà, faut qu'on aille ici. Donc on va se grouper dans la capitale là où on est. Fort Sterling je crois que c'est. Voilà, à Fort Sterling. On va se grouper ici tranquille, on va faire le petit groupe de 20. Et on se dirigera tranquillement, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, ouais 4 zones. 4 zones à faire tranquillou. Ça devrait pas nous prendre trop de temps, on doit être là-bas entre 18h30 et 19h. Et c'est une fois là-bas qu'ils vont envoyer des scouts, les organisateurs, pour checker les zones où on pourra se rendre pour faire l'événement. J'ai pas trop compris, on a eu une vidéo mais j'ai regardé vite fait, j'ai pas trop compris comment ça va se passer exactement. Je crois que ça va être du guild contre guild, donc on va se retrouver sur du 20 contre 20 sur une zone. C'est assez, assez bizarre, j'ai pas trop regardé les infos, on verra comment ça se passe. Je sais pas trop encore. Oh, attendez. Je vais regarder juste un truc. Je vais me démute sur le curse s'il y a les copains. Bonjour. Bonjour Olivier. Ah, ils sont là. Comment allez-vous? On est là. Ça va très bien. Ah, ça va très bien. Attendez, je vais remonter. Poil de son d'euro. Voilà. Ouais, moi aussi je vais le monter, gros. Ah oui, allez-y. On est déjà 351 en ville. Ça va commencer à être le merdier. Moi je suis sur l'île de Guild, on est 17, ça va. Ouais, je me suis mis à l'île de Guild. En fait, c'est vraiment un palier. Dès qu'on va dépasser les 360, 370, ça va être injouable. Ouais. Ouais, ça commence à monter là. 400, c'est horreur. Non, mais vu que les gens vont s'en aller, ça va aller, je pense. Salut à toi, le ninja de la nuit. Comment vas-tu? Ouais, on verra la ville au bateau. De toute façon, on a rendez-vous à l'île pour le bateau. Après, on ne sait pas plus où on doit aller. Exactement. Ça sera donné en direct. Ouais. Ils nous ont créé un channel d'ailleurs, si vous voulez. Dites-moi s'ils sont pas trop forts ou autres sur le curse. Au pire des cas, je peux les descendre un petit peu. Voilà, j'aurai les infos. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Je pense qu'on va commencer à grouper les gens tranquilles. On a le temps, comme je disais, on est large en avance. Quitte même à inviter aussi les. Alors, je vais me connecter au Discord. Je vais me mute sur le Discord. Hop. Ah, du coup, quitte à inviter les viewers pour lead tout le monde, ce sera peut-être plus pratique, non? Sur le Discord? Ouais. Ah oui, ils peuvent venir aussi, s'ils veulent. Voilà. Il faut savoir, par contre, pour les 20, je suis en train de rigoler. Full T4. Pour le T4, je préfère le Discord maintenant parce que c'est les viewers qu'on invite, ils ont du T5. T4 flat, hein. Donc pas de T4.2 ou T4 ouais, Royal. T4.0. Ouais, c'est ça. T4 pur et dur. Ça commence à se fight à l'île de Guild, là ils sont en train Tassen. De se chauffer. Ah oui, j'avais pas montré, que je montre la map, mais je vous ai pas vu, vous avez pas vu. Je vais la mettre après, chef. Là je suis pas sur le jeu, je suis vraiment en train de me co Discord. Contre-temps. J'ai d'amener deux stuff, moi j'ai pas de stuff, je vais voir si je peux pas en faire un quand même rapido, un deuxième. Hop. Que je laisserai là-bas au pire. Moi j'ai pas de queer. C'est un merdier, les gens ouais, mortent, c'est un merdier. Ils pas de toute façon, les immortels. On a un curse. Attendez. On a un curse. On a un Discord. On a les infos qu'il faut suivre sur Skype. On a tous les trucs. C'est le merdier. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, la scène, je vais vous montrer où c'est qu'on va devoir aller. Hop. Je vais redémute. Là-haut. Donc, on va rejoindre ça et le point de rendez-vous est entre 18h30 et 19h. Donc voilà. Du coup, c'est ici. Et jusqu'à là, on va essayer de rassembler tout le monde et voir qui vient avec nous.
Salut Marinina, salut Mazeron, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Du coup, on fait quoi? On commence un groupe? On se met dans une petite zone à côté au pire? On peut se mettre dans une zone juste à côté. Ouais, oui. On a les deux guides, mais après pour sortir, le problème c'est ça. Il vaut peut-être mieux sortir dès maintenant. On va à Pengent. On va à Pengent et. Bah, normalement, ça serait la zone juste au-dessus, ouais, je sais pas. Ouais, nord-ouest. Nord-ouest, Pengent. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Pengent. Bon, on se rejoint à Pengent et on fait des invites. Si vous voulez faire partie du groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Je vais mettre un message en guild aussi, je pense. Ouais. On va commencer à faire le groupe là-bas. Bah, soit sur le chat avec votre pseudo ou sinon dans le jeu directement. Ce sera plus pratique. Ouais, je pense qu'en jeu, ça sera beaucoup plus pratique. Soit en guild, y mettre un plus 1 et puis plus 1 event. Ouais. Et puis ça sera beaucoup plus simple pour grouper. Par contre, soyez bien en T4 flat. Si vous n'êtes pas en T4 flat, on vous kick direct. On va avoir des problèmes après. Ouais, sinon on va se faire gronder. On va cheat et tout. Ouais. Ah, je crois que je suis sorti au mauvais endroit. Ah non, Pengent, c'est bon. Je suis sur le côté à droite. Hein. Ouais, j'y arrive. Juste quand tu rentres. Ah oui, à droite. Celle-là de droite. Croulade. Donc on va se mettre par ici. Ah ça y est, commence. Ah, attends. Ici, déjà, je vais inviter Pika. Je vais faire les invites si vous le souhaitez. Chat, quel perso vous jouez? Moi, je joue Dag. Ah, ça, c'est un Dag. Et moi, je joue à la lance. Tu joues à la lance, ok. Ouais. Voilà. On a, moi, du coup, je suis archer. Jopolo41, okay. On a... Lolomiste. On va avoir du tank, c'est bien ça. On a Behemoth. Il va nous falloir du heal aussi, très important. Alors moi je conseille, hein, je conseille pour tout ce qui est event, PVP comme ça, où il risque d'avoir du lag, c'est vraiment des sorts de zone. Jouer beaucoup de sorts de zone, du stuff avec des sorts de zone. Puisque quand ça lag, ben, le sort de zone, vous le lancez, ça fait. Alors que si vous devez lancer vos sorts... C'est quoi ton pseudo, Rook, je t'invite parce que je l'ai pas. O-R-A-U. Ok. Bigarok, c'est fait. On a Nemesia. On a Ziz. Et voilà, et pour le moment c'est tout. Pardon. Salut à toi Shokex, comment vas-tu? Bah, je vais inspecter déjà un petit peu le stuff de ceux qui sont là, Lolomiste. Les armures sont en T4 de ce que je vois. Ah ouais, Lolomiste full T4, c'est bien. Behemoth. Full T4 aussi. Ah, il a des soupes! J'ai pas pensé à ça. Ah, j'ai pas de soupe non plus. Je sais pas si on a le droit aux potions, je sais plus ce qu'il a dit. C'est pas dit, c'est potions bon. Potions et bouffe. Ah, y a de la salade et tout. Y a de la salade, quoi. Est-ce que ça se mange des carottes ou il faut forcément de les trucs transformés? Christus, c'est bon. Les carottes, ça se mange pas comme ça, faut forcément transformer. Ok. Bigarok, c'est bon aussi. Nemesia. Tu veux que je te donne pour les invites au pire, ce qui reste aussi. Si besoin d'un solo là. Dispo. Ouais, cola noire. On va l'ajouter. Cola noire. On est une dizaine déjà. 2, 4, 6, 8. On est 10 exactement. Oliver, t'es en alors, T5. En tant que caster, ouais, voilà. Nous, on a le droit. On a le droit d'être au-dessus. En fait, chaque groupe, le leader du groupe ou de la guilde a le droit d'être T5. Donc, nous, comme on est trois leaders, techniquement, on a tous les trois le droit d'être T5. Mais Pika et Oro sont pas T5, donc ça va. Il y a que Pika, il est en royal, mais ça passe. Ça change pas grand-chose, en vrai. Bon, j'ai deux arcs, du coup, j'ai mon arc. Salut à toi, Matoff, comment vas-tu? On go PVP dans zone rouge. Alors du coup, pour finir d'expliquer rapidement ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on sera au port, à 19h, on va avoir un feu vert. Et en fait, il y a des éclaireurs qui sont partis en zone noire pour savoir quelle zone était plutôt safe et tout ça. Et donc, au dernier moment, on aura l'information de où on doit aller. On se retrouvera là-bas et on ira fight dans la zone. Et on sera en zone noire.
Full c'est PVP. Merde. Et alors une petite astuce aussi d'expérience du dernier event. Quand vous déplacez en zone noire, déplacez-vous avec le clic droit pour éviter de mettre des auto-attaques sur des gens random qui passent. Pendant qu'on se déplace, hein, une fois en event. Sinon, là, je me souviens, ça attaque les gens et tout. Tu fais clic gauche pour te déplacer, tu cliques sur les gens, ça lance des attaques. Ouais. C'était l'horreur, quoi. Bon, visiblement, si tu amènes plusieurs stuff, il faut le stocker au port. Donc, visiblement, ça sera pas très loin du port. Normalement, c'est un leader T5 par groupe, de ce que j'ai compris. Non, le leader, il se met comme il veut. Si vous voulez prendre plusieurs stuff, Si je veux, je peux être T7, T8, comme je veux. J'ai pas de restrictions. Bah, top ça, tranquille, petit week-end, rien faire. Ah, ça va. Rally S plus 1, mais non. Mais... Les gens, ils mettent plus 1 dans mon chat Twitch. Pas personne qui met la vie, ça va. Ça va jusqu'à là. Non, mais ça, le chat du jeu bug pour lui, apparemment. C'est quoi un plastron gold? Ah oui, en qualité. D'accord. Bon, c'est oui, après, tu peux les améliorer, oui, ça se Du coup, ça dit quoi? Je sens bien la PLS serveur partie. Ouais, il y a 4 sera pas si important. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai claqué quasiment 20 000 pour essayer d'améliorer mais mon arc. Les chevaux gris sont quel niveau? Je sais pas du tout. Ouais, limite, c'est plus rentable d'en crafter plusieurs. Quoi. Je vais aller faire un petit tour en bas avec... dans le canal Albion, pour leur demander s'il n'y en a pas qui veulent participer, qui sont pas encore inscrits. Ouais, bah peut-être qu'ils sont pas sur le live. Je vais voir avec eux. Le guild Wisp et... Bonjour tout le monde. Salut, bonjour. Salut. Vous allez bien? Salut. Ah. Bon, y a personne qui veut participer à l'event? Non, je vais pas pour ma part. Ça, je viens pas. Alors, en fait, dans une part qui est ici, ils peuvent pas parce qu'ils sont en T4.1 ou T5. Ouais. Et ils ont pas de stuff de rab. Ou comme moi par exemple, je pourrais me craft une armure T4, mais ça serait pas. Pour moi, ça serait pas avantageux. Ouais. Il vous faut quoi? Il vous faut des sous? Ah non, j'ai les ressources. Moi, je vous l'achète le stuff T4 si vous voulez. Hein. Non. C'est pas un souci. Hein. Nous, il nous faut du monde dans tous les cas. Donc, moi, ça me dérange pas de vous acheter un stuff T4 pour venir. Hein. Bah, mais c'est vraiment bizarre que ça soit pas au-dessus de T4, parce que c'est vraiment bizarre, quoi. Ah ben nous, c'est ce qu'on nous a demandé, les seules consignes qu'on a eues, c'est vraiment ça, c'est T4 flat, pas T4.1, .2, rien, T4 flat. Ouais. Parce qu'en plus, le T4.1 est équivalent à du T5, quoi, donc... Ouais, y a que, comme il disait, les leader group streamers, quoi, qui ont le droit de mettre ce qu'ils veulent, donc s'ils ont du T7, ils mettent du T7, ils mettent ce qu'ils veulent, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est, vas-y, pars devant, défonce tout le monde, nous on arrive et on finit, quoi. C'est ça. Mais Ouais, c'est dommage parce que par exemple, moi ça aurait été plus un challenge d'y aller avec mon T4.1 comme ça, mais sinon, bah, tant pis. Mais c'est ok. Mais je vais monter. Ouais, si vous voulez nous rejoindre, si vous faites un stuff, moi je vous paye un stuff, y a pas de soucis, vous me whispez dans le jeu et on s'arrange. Voilà. Un peu de soucis. A ouais, plus tard. Allez, plus tard. A plus. Okay. Bah, ils sont pas chauds et il y en a à moitié, ils sont en T4.1.2, ils ont plus de T4 normal. Donc c'est ça le truc. Ils ont du mal. En fait, on a été prévenu assez tard pour l'event, du coup, on n'a pas pu vous dire de mettre un stuff de côté. C'est vrai que. Mais je leur ai dit, moi, ceux qui voulaient, je leur ai acheté un T4. Je me suis dit, moi, c'est ce que j'ai fait. Un T4, donc si vraiment il y a un archer ou De leur acheter un T4 s'ils avaient besoin. C'est vrai qu'on a des gold et tout, donc n'hésitez pas, on peut avoir 500 000 de thunes assez facilement. En parce gros, que là, ça coûte 10 000 au complet quasiment, donc 12 000. On est 11. 11 sur 20, il manque 9 personnes. Ouais, ça va pas être fou. Ah, se faire rect, quoi. Pour moi, Oliver, tu me paies un buff T4. Non. Je me paie un stuff T4, pas des buffs. Un buff T4. Il y en a, ils sont rigolos quand même. Prix, les non. Buffs, par contre. Non, c'est pas pareil. Je sais pas combien ça les mentir là, mais je crois qu'elles ont bien monté. Ah ça va, la monture T4 c'est 100 000, c'est pas... Salut à toi MadProd. Ouais, ça fait déjà mal hein. Oui, bah c'est sûr que c'est plus cher qu'un stuff T4. Ouais, comme dit Lolomis, c'est vrai qu'un stuff T4 ça coûte vraiment pas grand chose. Hein. Mais comme vous voulez. Ah moi je vous le paye, y'a pas de soucis.
J'ai encore un peu de gold, de silver, j'ai 431 000 silver. Ouais, pareil, hein, s'il faut des silver, j'ai 250 000, je peux encore vendre 5 000 gold. On fait raquer la guilde, hein, sinon. Oui, sinon on peut prendre un peu dans la guilde, hein, y a pas de souci. Y a combien sur la guilde? Oh, y a 1 400 000, oui, on peut prendre un peu. S'il faut, je sais pas s'il nous entend, quoi, là, mais on va y aller à pied, je pense, on ira pas en monture. Il dit qu'il est déjà parti, il est déjà parti là-bas, bah, parce qu'il n'y a pas de monture. On va voir si vraiment il y a beaucoup de monde à pied, on laissera les montures ici, on ira totalement à pied. Si des gens ont quelques montures, on ira au port en monture et puis après on ira à pied de toute façon. Oui, clairement. Après le port, quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'on y va à pied. Mais ouais, les gens ont pas l'air très chaud. Ils sont pas motivés à venir avec nous. Nous, on est motivés, hein. On va tout défoncer. Hein. Si vous venez, on assure la victoire de la guilde, quoi. Les golds qu'on sont pour nous. Ça me demande, la bêta finit dans combien de temps? Ben, normalement, elle devrait finir juste avant la sortie du jeu, donc vers l'été. Début juillet. Ouais. Je crois que la sortie, c'est prévu au 17 juillet, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai plus de temps. Entraînez-vous à faire un point sur la map. En théorie, il y a très peu de battements entre la fin de la bêta et le début de soit de la nouvelle bêta pour celle-là ou soit la release qui arrive. Pas spécialement besoin. Le point sur la map, c'est pas fou. Ah, ça y est, ça commence à me wisp. Alors, je vais répondre. Qu'est-ce que ça dit sur le chat? Est-ce qu'il y en a qui veulent un stuff? Mais il y en a un qui m'a wisp. Si tu peux me fournir le stuff, je suis partant. Pas de soucis. Bah, il suffit juste qu'il nous dise ce qu'il veut et on l'achète. Quoi. Et on voilà. L'achète. Je vais retourner en ville du coup, moi, pour faire les achats. Aussi, qui est là. Ludofan. Ouais. Ludofan. C'est vrai que, ouais, c'est un peu embêtant qu'ils aient pas prévenu à l'avance qu'on puisse dire aux gens, bah, gardez un stuff T4. Exactement, côté. Exactement. Surtout que tous les gens avaient un stuff T4 à la base, c'est juste que quand ils sont passés dessus, ils l'ont délaissé ou ils l'ont revendu ou autre, quoi. Oh la ville, oh non, c'est peut-être pas la manie de faire des achats. Ça va encore, non ça va, là je marche bien aujourd'hui. Ouais. Je viens de faire des achats, là ça a été. Après il faut qu'ils peuvent le porter, ouais. Pas très français comme phrase. Ah bah oui, il faut que les gens, c'est ceux qui sont plus hauts, mais voilà. Salut toi Night Hunter, comment vas-tu? En tout cas, au niveau de l'event, j'ai entendu dire que les guildes gagnantes, donc la première guilde recevrait 50 000 gold, oui. La deuxième 30 000, 30 000 ouais. Exactement. Et la troisième 10 000, je crois, ou 15 000 peut-être. Je sais plus, ouais, exactement le dernier, mais oui, c'est ça. Ouais. Istael, si tu es sur un des lives, je veux bien que tu me répondes pour le stuff du coup. Ah, est-ce que pour l'acheter, il faut qu'on sache ce que vous pouvez porter, parce qu'on peut pas... Ça peut aller. On fait aller, hein. Écoute, on est que... pas beaucoup de dos encore, mais 12, ça va. Pour le moment, il manque encore 8 personnes. On est 11, là. Ah, il me dit de gardien plus épée bouclier. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un stuff plaque, quoi. Ouais. Armure. Bah, on est 11 plus toi, donc 12. Armure lourde. Ah, gardien. Ah oui, on se voit pas dans le groupe, oui, c'est vrai qu'on se voit pas dans le groupe, ok. Bon, est-ce qu'il y a des trucs pas dégueu, qualité? Si on peut lui prendre des trucs pas dégueu. Ouais, ça changera pas grand chose. Ouais, c'est pas. Il y aura 5 la qualité, je sais pas s'il y a vraiment une énorme différence. Bon, on va acheter ça, tant pis. Hop. En fait, je sais pas combien ça rajoute de dégâts. Gardien. Par rapport à la puissance, quoi. Je sais pas. Ouais. Bah après, si tu prends une arme qui est pas du tout qualité et une qui a la meilleure qualité, t'as quoi? T'as peut-être 5 de DPS de différence. Pour 21, là j'ai 21, ouais, 20 de différence de qualité. Il y en a une qui fait 310, l'autre elle fait 304 de dégâts. Donc en théorie, ça fait 16 de dégâts sur ma première attaque. Ouais. Alors si tu multiplies tout ça par le nombre de joueurs, ouais, ça fait une vingtaine de dégâts si tu passes de rien du tout à full qualité. Ça fait à peu près 20-25 dégâts, je pense, en plus. Bouclier, il m'a dit épée après ça. Ouais, épée, bouclier. Ah, épée, il y en a plusieurs, ça dépend laquelle. Bah, épée de la balle. Une épée large, quoi. Épée, bouclier, donc... Ouais.
tout prendre. S'il te plaît. Il y a beaucoup qui jouent plaque là, je vois devant, il y a beaucoup de... Ouais, on a beaucoup d'armure lourde. En même temps, c'est fort l'armure lourde. Même si je joue un peu DPS. Le jeu n'est pas très intuitif pour le choix des armures, puisque tu attaques en armure, je crois qu'ils te font craft une armure légère, mais tu peux changer directement dès que tu arrives à la zone de départ. Ouais, si tu oublies de changer, bah, du coup, tu commences sur ce type d'armure et après tu recommences. C'est vrai que c'est un peu pénalisant, quoi. Du coup, je suis là. Istael, je vais te re-wisp, je sais pas si tu m'entends. Go Pengen. Hop, et je vais l'ajouter dans le groupe. Istael. Hop. Déjà dans un groupe. Ah. Ça a l'air d'aller des déplacements dans la ville, il y a eu de l'amélioration ou c'est une impression? Bon, ça va encore. Puis pour l'instant, on n'a pas d'autres infos. 23, ça va encore. Ah, ce qu'il y a, c'est qu'il manque vraiment du monde. Il va falloir qu'on commence à se déplacer, mais il manque quoi, pas mal de monde. Ouais. Il faudra peut-être même... Si on est 18 déjà, ou 17, ça ira, même si on n'est pas 20, mais encore 4-5 personnes, quoi. Salut, Azor. Hein, si ça va très bien, toi. Si vous voulez venir, que vous n'avez pas de stuff, ou que vous voulez pas perdre votre stuff parce que vous l'avez fermé et vous galérez un peu, n'hésitez pas, au pire... On vous le repaye derrière, c'est pas un souci. On vous le redonne. On vous donne l'équivalent en... Azra, c'était chaud, go Pengen. Go Pengen, on va à l'event. Si t'as besoin d'un stuff, je te paye le stuff, c'est pas un souci. La ville, ça va. En fait, c'est que ça se stagne à ce nombre de personnes, du coup, ça va. Pardon. Où il est? Il y en a un qui est chaud visiblement. Colina. Ah. C'est du monde à rajouter, tout ça pour le fun. Allez, oui, go. C'est pour s'amuser. Colina, c'est parti. Il ne manque 6 personnes du coup. Je vais remettre un petit message. Yep. Si vous êtes pas assez, je peux participer. T4, c'est nickel, Azra. Faut être T4, sans pas plus. Donc, c'est nickel. Bon vieux Saber. Saber ne sait pas. Essaye d'arriver assez vite, si tu peux. Ou mange en même temps, tu t'en fous, on s'en fout, c'est pour faire les cons. PP sauvage entre nous. Hein non, c'est du PP en groupe. Du guild contre guild. Bon, il va nous manquer encore un peu de monde. De toute façon, il va pas falloir qu'on tarde à partir. À 30, faudrait qu'on parte. Oh, mais non, on a le temps encore. Il nous faut même pas un quart d'heure là-bas. C'est vers entre 18h. 18h30 voilà. Et 19h. Il y en a pour 5 minutes d'aller là-bas. Ça va. Il y a 3 zones à faire. Quand on est parti nord, ça fait 1, 2, 3. Ouais, 3 zones à traverser. Sauf qu'en passant ce côté-là, du coup, on passe 2 zones jaunes. On remontera peut-être, ça fera 3 zones aussi à remonter. Bon, ça revient mal. Comme ça sera un peu plus safe. Hop, désolé, j'étais en train de d'écrire à Alex qui suit l'event à distance. Oui, il manque plus que 5 personnes, on va peut-être pouvoir les trouver. J'essaie de manger vite, c'est du riz, suffit que je mâche pas. Mais voilà, t'avales tout. Pose pas de questions. Et puis vers 35-40, on commence à avancer et on peut toujours grouper les gens après. C'est le Green Beans. Du port là-bas, il va encore falloir attendre une demi-heure, je pense. Ouais, c'est ça. Les gens pourront nous rejoindre là-bas. Ils auront le temps de nous rejoindre là-bas au pire.
Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à peine sur le live, n'hésitez pas, si vous voulez faire partie de l'event, il nous reste de la place, il faut être T4 maximum, T4 flat, donc pas de T4.1, pas de .2. Si vous n'avez pas de stuff T4, je vous le paye, il n'y a pas de souci. Mais faut essayer de nous rejoindre assez vite, on va pas tarder à devoir partir, il nous manque encore. On est combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est 15, il nous manque encore 5 personnes. Hop. Du coup, les trucs à manger, ça nous donne quoi à nous? C'est de la régène de vie quand tu manges? Ça dépend. Il y en a, c'est de la régène de vie, il y en a, c'est de l'énergie, il y en a, c'est des buffs par rapport aux dégâts que tu vas prendre, donc ça te met des buffs d'armure. Ok. J'ai pas inspecté les derniers que j'ai invités. La carotte, c'est 100% de régène pendant une heure. On va manger une soupe. Ah, c'est 100% régène la soupe de carotte. Ouais. Ouais, par rapport à ta régène de base, du coup, tu regagnes 100%. Et je peux aller faire de la salade. Je vais aller voir. Ah, je suis trop lourd déjà. Je passe vite faire mon île perso, du coup je vais voir parce que j'ai un truc de craft de bouffe là-bas. Je vais acheter des popos de vie. Je vais spam les popos. Ah, au pire. Ils vont se faire plaisir les alchimistes ce soir. Les prix ils vont flamber. Ah là, c'est le moment où... Salut Saber, comment vas-tu? Ouais, mais c'est en dehors des combats là, régène de santé, donc ça va si t'arrives à t'enfuir. Mm. Si t'arrives pas à t'enfuir du combat... La salade, ça donne quoi? La salade, c'est crafting speed. ça, je vais pas prendre du coup. Bon, tant pis. Ah, vitalité et qualité. Ah, et qualité de fabrication? Non, vitesse et qualité de fabrication. Ok, la salade, ça sert complètement à rien. Ouais, la salade sert à rien. Ouais, je mangerai juste une carotte soupe avant de commencer l'event et puis on verra. Ouais. Ah, faudra réinviter. Ah bah c'est bon. Pareil, la tour Oliver, de ne prenez pas 20 personnes, sinon on gagnerait trop facilement. Ben, il nous faut 20 personnes. C'est l'event, c'est du 20 contre 20 en fait. Donc okay. Il faut être 20. Ça, très bien, ça va. Je t'ai réinvite du coup. Les popos, bah ça dépend lesquels tu veux. Ouais, il y a des popos Terre 4. C'est 19 000 la potion. C'est 10 000 la potion. Ah, oui. Je crois les T2, ça va, les T2. Mais je sais pas combien ça remet de vie. Ça remet. Soigne 8% de votre santé 8%. Maximum. C'est de la fou. Petit à petit. T3. Des potions de résistance. Pot de pierre, ouais. Réanimation. Genre, t'es mort, tu bois ça, tu reviens à la vie. Non, c'est pour animer un peu. Ça un aller. Ouais. Ça fait quoi? Ah, si, il y a des omelettes aussi. Ça fait quoi les omelettes? Crafting speed. Cooldown reduction, ok. Bon, ça coûte cher pour ça quand même. Ouais, les potions, c'est 16% après les potions de soins T4, donc c'est pas ouf non plus. Hein. Et T4, c'est 16%. Augmente les dégâts infligés pendant un long moment. Ragout de chèvre. Ragout de chèvre, mais bon, c'est 13 000 le ragout, quoi. Oh, ah oui, c'est ça. 13 000, oh là c'est T4, là. Quoi. Ouais, c'est du T4, ouais. Forcément. Ça ouais, ouais, dégâts de 5%, ça vaut pas. Je vais prendre des popos T2, moi. Vous avez pas l'air trop chaud, les ouais, gens. Ouais, 8%, tu la claques, dès que t'as à moitié, ça te remonte un petit peu, quoi. Je vais prendre des popos d'énergie. Je vais pas en prendre trop, parce qu'on va mourir avec. Et des popos de vie. Je vais en prendre 5 de chaque. Pensez à les retirer. On est 16. 16, il manque 4 personnes. Ouais. On est 15, il y en a un qui est parti du groupe. Bah, il y a Bigarox qui a dit qu'il devait y aller. Ah, il y a Bidoche. Bidoche, Bidoche, Bidoche ou Bidoche, il s'appelle. Ah, Bidoche.
Et il y a Wolfire aussi. Bidoche, on invite Wolfire. Fire. C'est où la zone de rendez-vous? La zone de rendez-vous, bah, soit juste à côté de la ville, si vous êtes juste là, à la ville, à Fort Sterling, et on sort du côté de Penigen, ou soit directement au port. Au port tout au nord, à Aberdon, à Harbour. Salut à toi, Tornade. Comment vas-tu? Oh, les 17, on commence à être pas mal. Ouais, mais 17, c'est pas encore assez. Il nous faut 20, il nous faut 20. 3 personnes. Et 3, qui dit mieux? De toute façon, on a encore un peu de temps, on a dit vers 40. Ouais, vers 40, 45, y a pas de soucis, je pense. Mais n'hésitez vraiment pas, si vous voulez, même si vous avez un stuff T4 mais que vous voulez pas venir avec, oui, vous on vous en paye un, c'est pas grave, y a pas de souci. On vous paye du stuff, c'est pas grave. Ah, c'est gentil, Tornade. Si en soi, même si vous avez peur de perdre votre équipement, y a vraiment pas de souci, hein, du T4. Oui, on vous le paye. Vous dans la soirée, pas de si soucis. Vous avez besoin. Pas de souci. Aucun problème. Alors par contre, quand on va aller là-bas, avant de partir, déposez tous les trucs qui servent à rien dans votre coffre. Hein. Les outils, le farm, les stuffs importants et tout, les emmenez pas avec vous. Ouais, est-ce que vous voulez vraiment garder, bah le prenez pas quoi. Laissez-le au coffre à la maison. Les gens sont pas chauds, hein. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Après, ça disait dans le chat là, du groupe, du coup, ça disait si on tue quelqu'un là-bas, est-ce qu'on peut récupérer son stuff? Bien évidemment, vous pourrez récupérer tous les stuffs là-bas, les gars. Ouais, mais même si vous arrivez à tuer un leader qui était en T5 ou T6, vous avez le droit de le prendre et de l'équiper, si vous pouvez. Techniquement, il serait ouais, que T5, mais... Ouais. Oui, oui, oui. Une fois sur après, voilà. La taille, c'est si chacun pour ça. Tu récupères ma stuff T4, après tu revends tout, quoi. Ouais. Moi, si je trouve des trucs qui valent très cher, je me barre en courant avec. Hein. Ouais, pareil, on laisse nos montures ou on peut les prendre. Ça se trouve, il y en a là-bas dans l'event, ils vont venir avec les montures. Vous tuez quelqu'un avec une monture, moi je me casse instant. Hein. Ah, bah oui, hein. Pareil. Je prends un cheval, je me casse, mon gars. Moi, j'ai pas pris de monture. Si vous voulez, vous pouvez les prendre et le laisser au port. Au port, ça risquera rien. Vous avez moi j'ai pris la mienne. Ou sinon, pas le prendre du tout et on y va tous à pied tranquille. Moi je me dis que vu qu'il y en a qui n'auront pas forcément de monture, on ira tous à pied en même temps. S'il faut, j'achète, j'achète 20 chevaux, T2 ou T3, je sais pas quel c'est le plus bas. Et... Ah, c'est cher. Ouais, les plus bas, T2, ça doit pas être très cher. Ou non, des mules. Non, des mules. C'est les mules, ouais, mais les mules. On y va tous en mules. Speed, quoi. Je sais pas si tu vas pas plus vite avec le speed. Monture. T1, ça existe pas. Ah bah T2 il y en a pas, j'en vois pas moi. Ah, mais, mais de toute façon les chevaux... On en a un qui va encore nous quitter. Je crois. Ah. Non. Pourquoi on a fait un échange? Le chat en vert. Pourquoi il donne du stuff à l'IMES? C'est le sien. C'est les gentils. Il te le donne. Tiens, prends-le. Mais pourquoi il donne son stuff? Il veut y aller tout nu et garde son stuff. Mais non mais... Gardez votre stuff hein. Qu'un seul badge. Merde. C'est 40k les chevaux T3, ouais, c'est le moins cher quoi. Attends, il est où? Ah, mais non, d'accord, il a acheté un stuff T4 si quelqu'un a besoin. Ou il a ramené un stuff T4. Okay. Il en avait peut-être un de côté. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Si je dis ouais, pas parce que s'il part sans stuff. Là, je te donne mon stuff, tiens, et puis moi j'y vais tout nu. C'est celui que j'avais payé à Eastel, d'accord.
Estelle nous quitte parce qu'il doit partir à 19h15, je crois. Okay. Mais c'est vrai que les 20 est un peu mal placé pour des. Dommage que je ne puisse pas porter de T4, sinon je serais venu. Ouais. Mais même si vous n'êtes pas en T4, venez, on s'en fout, même du T3, c'est basta. Bah oui, c'est juste pour faire les cons. Pour faire les cons, pour rigoler. Ouais, y aller, on va mourir, on va rentrer chez nous, la queue entre les pattes. Hein. J'ai envie d'aller voir au port déjà le monde qu'il y a. T'arrives là-bas, ça crache instant. À moins 20, faudrait qu'on parte quand même. S'il y a des retards de terre, ils nous rejoindront au port. Ouais, bah. Alors après, au niveau de tout ce qui est stratégie, on verra là-bas, hein, on fera un espèce de truc. On essaiera de se grouper, soit sur Discord. YOLO, pour tout droit et on attaque. Non, mais sur les focus, parce que si on court tout droit... Sur les focus, c'est plus... Soit on fait de gauche à droite, soit on fait les mages, les healers, tout ça. Ah, il n'y a plus de flèches, ça n'a pas l'air ouf, quand même. Ah, ça les ralentit. Ah, c'est cool, ça. Ah, c'est pas mal. Tous les ennemis présents dans cette zone reçoivent 105 points de dégâts et sont ralentis de 20%. À plusieurs reprises pendant 4 secondes. Ça marche comment la CC résistance? Je sais pas du tout. C'est marqué en secondes, c'est marqué. Ah oui, non, d'accord, c'est marqué dessus. Les CC sur moi sont efficaces à 43%. Résistance au CC, c'est le sort de contrôle de foule lancé sur vous en une efficacité de 39%. C'est assez ridicule. Donc, les CC alors sur les joueurs. Parce que bon, je règle quelque chose à côté. 39%, ça veut dire que si je réduis le gars. Je suis encore c'est la chance de toucher, pas. C'est, la c'est le. Non, c'est la duration, je pense. La duration, ça veut rien dire, mais. Ouais, la durée, ouais. La duration. En gros, je sais pas, on te stun pendant 10 secondes. Bah, ce sera uniquement 3 secondes 9 pour toi. Enfin, 3,9 secondes. Ouais, ça sera à lui. Hein. Donc, c'est un peu nul. Alors qu'on est même pas en stuff tank, tu vois. Genre moi j'ai un stun de 4 secondes là. Au final en 1 seconde 5, les mecs ils seront debout. Bah moi en gros s'ils sont ralentis de 20%. Mais moi après c'est... ouais. Parce sur que les slow. Je suis ça retombe pendant 4 secondes donc. Ok. Ah c'est dommage ce truc qui lol. Il disait qu'il aurait pu rejoindre mais il était pas là ce soir. C'est dommage. Pardon. Personne qui a répondu. C'est horrible le chat en vert clair. Là, je sais pas si je peux changer. Ouais, c'est bien dégueulasse. Hein. Je sais pas, ça peut changer. Non, je crois pas, tu peux changer, mais tu vois rien. Si t'es sur la neige, là on voit rien du tout. Ouais, c'est ça. 190 personnes au port. On hein. peut pas changer. Déjà 190 ouais, personnes le port. Au port, ouais, pardon. Mais. Ouais, après, on est pas plus en... un. Ah, port, ça arrive. À Drac, parce que tout le monde n'est pas arrivé au port encore. Nice. Drac, ah, y en a plus un. Alors, ça demande encore la ville de rendez-vous. Je répète du coup que c'est au port au nord qui s'appelle Aberdown Harbor. Vous voyez, tous les traits bleus convergent vers ici en fait. Et sur la map, il y a une grosse ancre. On peut pas le rater. Et après, du coup, je sais pas où ça va là-haut. Je pense qu'on ira en zone nord tout là-haut, je sais pas trop où. Bah, on a 4 possibilités, je crois, c'est ça, non? Ouais, mais je crois que c'est que des zones noires de toute façon après là-haut. Ah oui, c'est full zone noire. Ouais. Donc. Soit c'est dans la neige, soit dans le désert. Soit... Peu importe où on sort, voilà. Soit dans les marais, soit dans la neige, soit dans la forêt ou dans la plaine. On ira où on nous dit. Je sens qu'on va se faire attendre en sortie de ville, la zone noire, tu vas voir. Là, de toute façon, il faut passer. Ouais, dès qu'on va arriver en haut du port. Et là, pour y aller, il faut passer. Oh, nord, pour y aller, on est tranquille. Ouest, ouest. Oui, oui, on passe que des zones. Jaune au plus. Non, même pas. Que zone bleue. On peut passer d'en haut et c'est tout bleu. Ouais. Ouais. Ah, ça veut dire apparemment les indices sont
stuff T4.1 et T4.2. Ouais, nous on fait ce qu'on nous a dit. C'est comme la saison dernière. Le dernier event, ouais. C'était ça les raids. Nous on a suivi. Après, bon, on a perdu malheureusement du coup. Ouais. Oh non, on a gagné. On était avec les Andis justement. Ouais, bah. On est resté en vie jusqu'à la fin. Ah, au moins, comme ça, si on les tue, on aura du T4.2. Hein. Ah oui, c'est ça l'avantage. Si je récupère full T4.2, moi ça me va. Hein. On va peut-être commencer à partir, non? Ouais, tranquillement. Et puis au pire, s'il y a des retardataires... Ils nous rejoindront là-bas. Ils nous rejoindront là-haut. Hein. On n'est pas très très loin. C'est pas très très loin, quoi. Warhead, il est avec nous ou pas? Non. Je vais peut-être inviter Warhead. Mais Valnia, est-ce qu'elle est là? Pas dispo, Valnia? Il y a plein de gens qui étaient souvent avec nous dans les donjons, là. Ouais, du coup, on prend la route. Let's go. Ils sont tes griffes de hier. Ouais. Non, c'est pas les griffes, j'ai des dagues. C'est parti. Hop. Pour le rond. Ça se trouve, on aura des gens qui nous attendront au port et qui sont pas groupés. Parce que visiblement, ça demande faut aller où et... Ah, c'est possible. Et les gens sont pas dans le groupe, donc... Il y a un peu de délai, je vais attendre que tout le monde arrive, comme ça on fait juste une grosse caravane. On pourrait pouvoir porter un étendard. Je sais pas s'il y a des portes étendards, bon, je crois pas en avoir vu. Non, je crois pas. Nous, on est à pied au final, on est parti à pied. Pas de monture. Ouais, je suis parti à pied aussi. Quoi cette attaque de ouf là? Attaque d'ombre là. Qui est quasiment tout le monde qui suit, je crois. Ça répond Pengent dans le chat. Non mais on va pas à Pengent. Hein. Pengent c'était le rendez-vous là il y a 10 minutes. Ouais, c'est juste la sortie. C'est la sortie du de la côté vie. Où on attendait qu'on voit le groupe quoi. Là on va à Aberdown Harbor. Aberdown Harbor. On va commencer à y aller tranquillou. Hop. Ok, je crois qu'on a quasiment tout le monde. Moi j'ai encore mon monture donc en soi. Osef. 93 dans cette zone. Ouais, ça va, ça c'est les zones. Ouais, en sortie de ville, il y a pas plus que d'habitude en farmant quoi. Là, il faut aller tout droit. Hein. Ziz, je pense que passer par les zones, ça fait pareil. Pardon. Bah, Ziz, tu as. Non, bah, si tu perds ton stuff avec 5000 de silver, on te le redonne. Ah oui, si vous êtes en T2, T3, n'hésitez pas. Hein. Si vous perdez, on. Moitié T3, moitié T4. On rembourse les pertes. On va y être. Ça va nous coûter cher. Enfin, pas vraiment, les stuffs sont pas. Les stuffs sont. Ah, il y a Ex Sanguin qui nous suit là, donc je pense qu'il est avec nous. Ex et Sanguin. Ouais, il manque des gens qu'on suit. Si t'es chaud. Je sais pas, mais non, je t'ai déjà mis, je crois, dedans. Au pire, on peut faire. Si t'es chaud, go. Go. Il manque des gens. D'attente. Bah on verra là-bas quand aussi. Bah, je pense qu'on verra au port, ouais, comme ça moi, parce qu'il y a des gens qui sont partis en avance, il y a des gens qui... Il y en a qui viennent, ça se trouve, mais ils vont pas participer, ils nous encouragent. Je viens de voir le... Exsanguin, faut que je l'ajoute ou... sur un lapin qui était... Exsanguin, faut que je l'ajoute. Bah je pense, bah, je sais pas, avec nous. Il a fait un coucou, mais... Voilà. Ah, il manque deux personnes. Alors, à tous les coups, on va arriver là-bas, il y aura 10 personnes qui attendent d'être groupées, on sera... Mais oui, ça se trouve, il y a vachement de là-bas. J'espère que vous êtes à la meuf. C'est le toit d'Arc Shadow. Ça te dit qu'on a plus de chances de gagner vu que le patron n'est pas là. Ouais. Lol. Quoi, qu'un c'est match proche, c'est vrai que bien pratique, hein. Ah, je suis parti du Après, je ne joue pas mon PC est gobé, désolé. Ah, pfff. Bon, c'est pas grave. Ah, disons qu'en PC, déjà, tout ce qui est AOE,
C'est plutôt fort. Ah bah oui, oui. Parce que tu tapes dans le tas, t'as pas besoin de viser. Je regarde souvent à gauche, c'est normal, hein. C'est là où j'ai mon Skype, vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai des infos qui arrivent de tous les côtés. Au final, c'est moi qui serai le dernier, vous allez voir. Je cours pas très vite. Ah, moi, non, t'es pas juste à côté, là. Moi je suis en poney, tonton, donc. Ah mais y'en a, ils ont coupé, ils passent à travers les montagnes et tout. Ils trichent. Ah, je vais devoir couper pour vous rattraper. Je crois qu'il y a encore des gens derrière, quoique peut-être pas. Je sais pas, je vois des points jaunes assez loin derrière moi, du coup je me dis que c'est bon, je suis pas dernier. Peut-être que je vais pouvoir rattraper le peloton. Ah oui, je te vois là. J'imagine que c'est toi là, le point jaune qui coupe à travers. En plein milieu, c'est ça. Allez, je mets le turbo. Vas-y, accélère, sprint. En plein milieu, ouais. Et il y en a qui ont des espèces de murs de froid. Autour d'eux ? Ça doit ralentir les ennemis. Ouais, des murs froids, ouais. Ouais. Pardon. On y va tranquillou, on fera une petite pause là-bas, je pense. Ok, je vais arriver à la prochaine zone. J'espère pouvoir changer d'ici la relais. Du coup, je me suis arrêté, j'ai regardé voir s'il n'y avait pas de nouvelles informations. Pour l'instant. Ah, il y a Oasis qui nous suit. O-I-Z-I-S. Au final, on va rappeler dans le groupe parce que tous les gens nous suivent, mais nous ont pas dit O-I-Z-I-S. Qu'ils voulaient venir avec nous. Ouais, c'est ça. Ok. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre, mettez-le dans le chat de guild, je le rappelle encore. Mettez juste un plus 1, je vous invite directement, on se rejoint au port qui s'appelle Aberdown Harbor. Aberdown, c'est et, ça. On se rejoint là-bas. Ah, j'ai Yonix à côté de moi. J'ai essayé de couper, je suis passé à un cul-de-sac. Oh le merdier! Tu fais avoir. Ah, je vois ça. Oh là là, attends, on se met où? On se met à la droite. Putain, ah, vous êtes arrivé au port. Il y a un mur invisible, ouais. On se met. On va arriver bientôt. Oui. On se met à gauche. J'imagine que oui, ça doit être le gros bordel. Plante la tente, on arrive. Dès qu'on rentre à gauche. Vous verrez, il y a ma monture. Okay. Plus 2, hein? Alors, apparemment, ça nous a donné les poules. Les poules? Ouais, apparemment, ça se passe avec des poules. Donc, on sera en poule 2 contre 1-10-2. C'est pour ça qu'il faut deux stuff. De quoi? Empyrum et cooldown. Visiblement, c'est un espèce de tournoi. C'est ça. C'est où qui marquait ça? Sur Skype. Moi, il me l'a MP directement. Ah oui, j'ai pas vu. Fake Enemy vs 1D2 vs Empyrum vs Cooldown Pool 2. Oh. Si on perd au premier, fini. Alors, on va essayer d'en gagner un quand même. Faudrait pas qu'on fasse le dernier de l'event quand même. Mais Moi, j'ai deux stuff, du coup, je peux faire théoriquement. Ah bah, si tu gagnes, voilà. On verra. Mais en fait, c'est méga chaud parce que imagine au premier, il y en a un qui survit de chez nous. Du coup, tous les autres, ils ont plus de stuff. Pour le deuxième, ça va si techniquement on a amené un deuxième stuff. Mais si au deuxième, pareil, il y en a qu'un qui survit, à la dernière phase, il n'y a plus de stuff. Attends, est-ce qu'il y a un coffre aussi? Oui, même, si coffre. On gagne, même si on gagne, on sera à poil. Donc, tu peux avoir des pertes, quoi. Bah ouais. Tout le monde n'a pas de tu stuff. Tu peux gagner, dire qu'il y, a, voilà, il y en a trois qui survivent et... Il va forcément y avoir des morts, on peut pas tuer tout le monde sans perdre personne, quoi. Faudra en racheter au port. Mais vous savez quoi? Ouais, bon. Je vais faire une pause en attendant. qu'ils trouvent la zone, tout ça, et qu'on se déplace. On va faire... Moi, je vais me faire une petite pause. Je vous dis à tout de suite, les copains. Bah, bravo. Bah, du coup, on se fait une petite pause de 5 minutes en musique. Hein. On a pas plus d'infos pour le moment, donc on sait la poule dans laquelle on est. On est, on va être contre Fail, donc contre Indy 2. Donc, indispensable 2, donc c'est une des guildes de Zerator. Il y en a 4, je crois.
VS Imperium, je ne sais pas qui c'est du tout. VS Coldown, je ne sais pas qui c'est non plus. Donc on verra bien. On se fait une petite pause de 5 minutes, tranquillou. Et on se retrouve juste après. A tout de suite.
héros tout le monde. Ah mais c'est la musique. Hop. Je retourne avec la commande sur le curse. Oh. T'as quand même une armure. Ouais, j'aurais une armure. Et une personne en plus ou pas du tout? Je crois pas. Je crois pas, non. Ok. Après, on est 19 là. Ouais. Voilà. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle l'arme qu'ils ont tous là, mais. Ah, bah, je peux inspecter. On a. La bonne nouvelle, Oliver, c'est qu'on a que deux heals mono cible. D'accord, c'est nice. Ah, c'est au fléau. Ah, c'est un fléau à deux mains et ça fait quoi? T'as 1800 HP. Merde, non. Inspecter. C'est un fléau. Ça fait quoi comme truc? Inflige 185 points de dégâts à un ennemi. Tout en augmentant son armure et la résistance. Il y a un interrupt. Ah oui, tu augmentes. Ouais, d'accord. Tu augmentes l'armure et la résistance de tous les alliés, quoi. Ok, d'accord. Dans les 4 mètres. C'est pas énorme, 4 mètres, à mon avis, mais. Non, c'est pas énorme, mais c'était vraiment corps à corps, ça marche. Ça fait beaucoup de HP, surtout. Il y a de l'interrupt de sort. Ça peut être pas mal. Ouais. Ça fait des duels, ça joue entre eux. Pardon. Épée à deux mains, ça a l'air plutôt fort en vrai. Moi je pense qu'elle a la release officielle. Les trucs inspectés sont bien T4. Ouais, ils sont T4 aussi, moi j'ai trouvé. La release officielle, je repartirai sur un septembre, je pense. Ouais, j'inspecte au hasard aussi dans les autres équipes. Ouais, voir ce qu'il y a comme. Ah bah j'ai trouvé un archer. Voilà, l'archer en fait, si tu veux faire masse dégâts. C'est torse et bas de cuir et tête tissu. Mais si, hein, ça joue beaucoup. Arme du coup. Qu'est-ce que je peux acheter comme arme? Ah, il y a des piques. Oh, ça a l'air d'aller. Il y en a qui ont des petites potions. Ouais, il y en a qui ont des petites potions. Ah, un HV. Ah bah oui, il y a un HV dans chaque ville. C'est juste qu'il est pas relié au grand HV de la ville principale, quoi. Ouais. Je vais réparer, voir si j'abîme un peu mon stuff. Comment ça se fait? Quoi ça? Viens, je prends des dagues. Bah, j'ai le droit de porter des dagues, je savais même pas. Oui, moi aussi, en marché, j'ai le droit de porter les lances. Non, les T4. Quoi, les T4? Ah oui, ça monte ensemble. Moi, j'ai ouais, plusieurs... Oui, ça monte 4 trucs, normalement. Ah, viens, je prends des dagues, toi. 24 piles, tant pis, j'ai plein de thunes. Qui s'est fait dans le coin? On va cliquer sur lui, hop. J'ai des dagues. Ouais, ils sont tous T4. Mêlés. Gus, il est en T4. Si je prends lui. Mais les T4, je peux rien porter. Il est en T4. Piloum. T4, de toute façon, tu regardes en soi, s'ils ont tous entre 1600 et 1800 de vie à peu près, c'est que voilà. Ah, je les ai pas récupérés. Mince. Reste plus qu'à trouver une falaise ou un puits. Non, pas tout de suite. On va quand même essayer de se battre. Au pire, on fera ses poules coups à la fin. Tant pis. Ah, du coup, on attend les infos. Du coup, si je mets les dagues, je passe à combien en DPS? On attend les infos. Je sais pas ce que je peux faire d'autre. Et on partira voir ce qu'il y a à faire. Du coup, on a un peu bloqué là. Ça c'est quoi? Entre nous. Ça, c'est un dash. Vous êtes combien? Vous êtes 82. Donc, on est bloqué. Ça s'entraîne. Allez-y, échauffez-vous. Tous ensemble. On peut discuter si vous voulez. Si vous avez des questions, ah, je suis tenté de jouer au dague, jeu ou autre, il y a un gars qui joue dague contre un bouclier, épée bouclier. Enfin non, hache bouclier. Avec le break armure, c'est tellement fort les dagues. Bonsoir à toi, Delrin. Coucou fiston. Hé fiston, tu fais quoi? Je sais pas en vrai. Ramène tes fesses fiston. Mais là, j'ai pas envie de te perdre. Moi j'attends le combat, je m'échauffe pas moi. Je suis chaud de base. Attendez, j'essaye de chauffer le 20ème là. J'ai fiston qui est arrivé sur mon chat les gens. Oui. Un petit heal en plus, un petit heal en plus, ça ferait pas de mal. Hein. C'est à peu près équivalent, hein. Et puis H bouclier, dag. Ramène ton petit cul, fiston. Dag qui a gagné, mais. C'est dag qui a gagné, mais a pas grand chose, quoi. Ouais. Ah, j'hésite, moi, en vrai, à passer dag. Hein. Vas-y, tu veux faire un. Et viens, on fait un combat entre mon arme et la tienne. Comme ça, je verrai. Attends. Ok. T'es où? Je te vois même pas. Je suis juste là, on est en jaune tous les deux. Ah oui. C'est bon? Ouais. Ah
Ah oui, vous êtes là. Je sais pas si j'ai deny ta charge, je suis pas sûr. Ah non. Non, pas du tout. Ouais, la charge est trop forte. T'as perdu 1000 PV sur la charge, laisse tomber. Ouais. En fait, j'ai essayé de... J'ai une petite roulade où j'ai une frame d'invincibilité. Mais le problème, c'est qu'il faut anticiper, je sais pas... J'ai pas compris. Moi, c'est que des sorts castés, je crois que je me fais défoncer par toutes les classes. En fait. Mais non, fiston, c'est pour le level... En duel. C'est pour le level PVP. À plusieurs, ça peut être fort, mais... C'est pour l'event PVP. Le truc, c'est que j'ai pas mal d'AOE avec la lance, en vrai. Mais on a besoin de toi, vraiment. Ah, il joue marteau et tout. Rejoins-nous, on est à Aberdeen Armour. Ah, j'aurais pas mon spell de tanking. Fiston, il est mono. Viens me battre. Tu vas pas m'avoir comme ça, Michel. Viens, hein. Prends ça. Petite cage d'arrêt à l'arrière. Voilà, petit duel, bim bim. Deux duels faits, deux duels gagnés. Son stun aussi. Voilà, on montre qui c'est le patron ici. Ouais, ça va prendre 8 ans. Moi, je dois attendre pour aller manger. Mais ouais, j'ai raté. Bon, du coup, j'ai invité Fiston à rejoindre. J'espère qu'il va nous rejoindre assez vite sur le port. Au port, ouais. Il y a Oasis qui est pas là non plus. Ouais, ça devrait. Je sais pas où il est passé. Essayez, ouais, de tous venir au port. Ceux qui... Bah, il manque Oasis et Fiston. Oasis et Fiston, exactement. Ça fuit. Ça fuit le duel, Pika. Ah ouais, il veut pas mourir. Hein. Ah, tu veux pas mourir. Reviens, mes crayons. Laisse-toi. Vas-y, sors de la zone. Fire. Ah, c'est la victoire. Ah, c'est le GG. Genre, c'est pas mal, non, aussi, J'ai vu un mec en griffe tout à l'heure. Il avait des griffes T4, mais il s'était mis tout nu pour pas commencer son stuff. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait derrière, mais. Il y en a, ils shit. Ouais, ouais. Ils se mettent tout nu pour cacher tout le stuff, quoi. Par contre, il y a moins de monde, j'ai l'impression. Ils sont tous partis ou... 124. Ouais. Ça commence à partir, je pense. J'ai pas eu d'infos sur la zone pour le moment, donc. Je regarde sur Discord. Pardon, excusez-moi. Non, sur Discord, il n'y a rien. Je suis sur le truc, il y a 4 messages, mais rien. Je sais pas, il y a trop de trucs à checker. Rien qui nous dit qu'on doit se battre. Le Discord, le Skype, le cœur. Vraiment, est-ce qu'on va dissoudre l'alliance pour pouvoir se foutre sur la tronche? Ouais, bah oui, c'est normal. Ouais, l'alliance va être défaite et elle sera refaite après. Bah, de toute façon, là, il faut prendre le bateau, donc c'est forcément d'en haut. Forcément là-bas. Ouais. On a Oasis, il ne manque plus que Fiston. Fiston, il doit courir vite. Il va être en chemin. Non, il est au bateau. Oh, le monde qu'il y a au bateau. Oh, le bateau, il va couler le truc. Il y a trop de monde dessus. Le bateau, il va couler. Je sais pas ce que j'ai. Quand je caracle un peu, j'en suis désolé. Ça sent bien le sapin, tout ça. Non, ça va très bien se passer. En fait, on a les infos en même temps qu'on vous les donne. Donc, c'est vrai que. Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué de s'organiser, de dire on va dans telle zone, telle zone. Bon, je vais ranger les dagues. On atteint. Je les prendrai si jamais je meurs. Tranquillou. Bon, on a qu'à se diriger tous un petit peu au bateau, mais... Moi, je suis au bateau, mais après, il faut parler aux gars pour lui dire où on va aller. Non, pour le moment, on sait pas, hein, mais... Mais je sais pas où on doit aller. On peut attendre au port. Pardon. Excusez-moi. Lui il est quoi? Il était 4. Ah, il y a eu des infos. Ah non, c'est des poules complètes. Empyrium a l'air d'avoir une équipe fumée. On a eu des poules complètes, donc là, je sais pas. Poule 1, je vous l'ai dit, hein. Poule 1, c'est Ours vs Gobin Ours vs Indy 1 vs Sartosh Army. Poule 2, Fail Academy vs Indy 2 vs Empyrium vs Blam Eli. D'accord. Ça a changé du coup. Ok. Super, il paraît qu'Empyrium s'est fumé. Poule 3, oh, Coldon vs Ours 2 vs GDK vs Metatron. Ah voilà, donc ça nous donne la zone. Poule 2, Blackthorn Wood. Blackthorn Wood, c'est où ça? Blackthorn, ça doit être dans les bois, la forêt, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a le bateau qui nous amène directement à
Non. non. Alors, Black Thornwood. Black Thornwood, c'est la zone de forêt. C'est, vous voyez, où il y a écrit Kelder. Bah, c'est légèrement en dessous quand vous zoomez. C'est à, en dessous à gauche. Oh, faut aller tout Black Thornwood. Kelder. Donc il faut prendre. Ouais, tu vois Kelder. Et quand tu zoomes, c'est en dessous du texte à gauche. Quand tu dézoomes, tu vois écrit Kelder sur la forêt. Black Thornwood. Oh là là là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le bateau. En fait, il faut aller qu'on arrive là-bas. Tout en haut et qu'on passe deux zones noires. Non, une zone. Une zone noire. Ouais. Le bateau, du coup, on va à Noskey. Ouais, on va à Noskey. Il est où le chauffeur? Tout en haut à gauche. Le gars, il est juste à côté du mât. Noskey. Piston, et puis après, on va là-bas. Oui. Ouais, on peut faire ça. Ça sera Noskey. Est-ce qu'on amène tout le monde sur le Discord? On peut déjà aller sur la ville de Noskey. Ou est-ce qu'on va sur Curse? On va aller sur Curse avec les gens, je pense. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. On va aller sur Curse. Il y a déjà dans Albion 2, où on les monte ici, comme vous voulez. Je peux les monter ici, sinon, si vous voulez. On peut mettre tout le monde ici, mais il faudrait qu'ils se mettent plus haut, non? Qui est-ce qu'on a avec nous? On a Christus. Christus, je peux le prendre. Hop. Oh oui. Allez, Christus, il vient avec nous. Christus. Bonjour. Bonjour, Christus. Bonjour, Pika. On a Nemesia. Nemesia est avec nous aussi. Will, je ne sais pas. On a Ludophan. Ludophan, ça vient aussi. On va inviter tout le monde. J'espère qu'ils sont prêts. Oui. Bonjour à vous. Bonjour Ludo, Christus et Nemesia. Salut. Du coup. Il y a l'Holomiste aussi. S'il y a du monde. Ouais, l'Holomiste. Hop, on va le capturer de là-bas. Il vient avec nous. Ils se font enlever un par un. Ouais, je vous capture, hein. Moi ça. Ça va bien. Mais par contre, on pourra pas taper les gens de l'Alliance. T'inquiète. Elle va être. Ah non, j'allais dire, elle était dissoute. Non, elle va être dissoute. Bonjour. Je règle leur micro petit à petit. Bonjour. Bonjour à toi. Je te capture, hein. T'inquiète. Tapez-les tous. S'il y en a d'autres qui veulent venir en vocal avec nous, ah ben ça arrive. On a Azdra. Connectez-vous au Discord, au Curse. Wellrock, on a. Wellrock, on l'a pas. Non. Après, il y a des gens qui ont peut-être pas le même pseudo. Ouais, possible. Quelqu'un a un écho. Ouais. Christus, tu as un écho. Ouais, je vais baisser ça. Je te remercie. Ah, il y a Colina aussi, dans Albion Info. Colina Lee. Ouais. Pire, si vous avez pas le même pseudo sur le jeu. On entend au moins. On t'entend. Si vous avez pas le même pseudo sur le jeu que sur le Curse, mettez un petit message dans le salon 1 à Albion et puis. Il y a Chalimès qui vient. Hop. Ouais, je move petit à petit. Bonsoir à vous. Ils se font tous kidnapper, ils sont là. Il y a Saber. Saber, hop. Il y a Saber, ne sait pas. Ça vient ici. Oh, t'inquiète, je move petit à petit. Qui est sur le salon, tu regardes, et putain. Il y a Dracor. Dracor, ça dégage de là-bas. Hop là. S'enlever. Qui est-ce qui manque? Après, il y en a peut-être qui n'ont pas le cœur. Vous avez une info sur l'heure où on doit être à la zone là. Aucune idée. Absolument pas. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous capture, vous inquiétez pas, c'est normal, je vous mets en vocal avec nous pour qu'on puisse être tous en vocal et pas faire de la merde. Mais ouais. On fera quand même de la merde, hein, mais. Oui, on aura général mais on le fera bien. Préparer à. Un chant de guerre à la flûte. Il a passé son après-midi un chant de guerre à la flûte. Du coup, il est chaud là. Non, faut pas dire ça, après je vais être obligé de la sortir. Faites gaffe à vous. Micro, pense à vous mute s'il y a du bruit par contre, s'il vous plaît. Ouais, si vous avez. Mettez-vous en poche tout au copier. Alors attends, c'est là qu'il me donne des pseudos, moi c'est Mysterion. La ville par contre se vide, je pense qu'il va falloir. Je me TP à Noskey. Ouais, wow. Rejoignez-nous à Noskey, du coup. Ok, on part là-bas. Et on va commencer à se diriger là-bas, je pense. Je ne sais pas comment ça se passe. On va tout sortir en même temps, parce que la première zone où on sort, c'est zone noire, donc. Donc Noskey, le point de rendez-vous. Tout en haut à gauche de la map. Tu captures, lance Master Ball. Oh, pas besoin, t'inquiète. Sans joker, j'ai tous les droits. Mysterion sur Twitch. Gusdel. Sur Curse. Ouais, mais je ne le vois pas dans aucun canal. Oui, je le vois pas non plus. Ah oui, par contre, il faut qu'il soit dans un canal, ouais, parce que sinon... KN17. Ah, KN17. On a quoi, là? Alors, attends. Du coup, c'est où qu'il faut aller? Noskey.
Noskei, une fois qu'on est à Noskei, on va se rendre sur Blackthorn Wood. Et Sardosh Army, c'était pas quand, dans la première poule, Sardosh Army, il me semblait. Après, peut-être que tout le monde est là, mais après, ça va se dispatcher. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Oui, peut-être qu'il y en a qui s'arrêtent à la première zone. Alors, ça se rend qu'ils aient mis la première zone et que nous, on doit la traverser s'ils se battent au mieux, quoi. Alors, ils se battent dans cette zone. Et nous, on doit traverser. Ah, il y a l'Empyrium, là. Ça va se faire petit à petit. Comment les Empyrium ? Globalement, les gens ont l'air un peu plus diversifiés que notre équipe, hein, mais. Vous l'avez pas dit en groupe qu'on a la Noskei Ah oui, non, pas dans le. Ouais, non, pas dans le. Noskei. Ah, Mysterion est là. Je le chope. Enfin, le ou là, je sais pas. Je l'ai. Hop. Y'a pas de stratégie alors? Non, pas pour le moment. pour l'instant, on se demandait si on attendait genre un peu qu'ils tatanent tous et puis qu'on arrive un peu après. Ah, comme toi, ils tatanent pas. La stratégie, c'est tuer et ninja le stuff. Hein. Exactement, exactement. C'est ça. Bah, après, théoriquement, puis, tout le monde on a le stuff. On prend juste les stuff, y a partout. Je pense que vous pouvez tous partir devant. je reste derrière, je vous couvre les arrières, y a pas de soucis. Je suis seul T5. En bon général que tu es, tu restes derrière les lignes. Ok, passe devant c'est et ça. Nous, voilà. Je suis le mieux stuff et je reste derrière, tu sais. Moi, je suis archer, je dois être derrière, moi, de toute façon. Ah, moi, je suis dague aussi, c'est vrai. Je reste derrière. je suis dague, puis je reste derrière. je vais lancer de dague. Non, par contre, faudra protéger les deux heals. Ouais. Ah oui, par contre, on a que deux heals. Surtout ça. Les archers, restez avec les heals, de toute façon. Essayez de protéger au max. Essayer d'éviter les zones d'AOL le plus possible. Hein. C'est plutôt évident, mais. Ouais, il nous manque encore Exsanguin et Fiston. Bah, Fiston, ouais, ils sont pas arrivés à. Pas très très gentil, ça. À mon avis, ils ont raté le ferry, hein, c'est pour ça. Ah, peut-être. Ils attendent le prochain bateau. Alors, j'essaie de régler au mieux les sons sur le curse. Hein. Je suis désolé, on est quand même beaucoup. J'essaie de régler au mieux pour que ça soit équilibré, que vous entendiez tout le monde. Après, il faudra décider du focus. À peu près au même de niveau. Mais je vous rien à voir. Je pense que si on arrive tous, ils vont tous arriver dans le nord. Du coup, on sera tous au même endroit, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? T5 interdit. Attends, local. Ah bah non, c'est local qu'il faut mettre. Slash local. Je suis le boss. Je suis le boss. C'est comme ça qu'il faut faire. Sauf pour le leader, c'est écrit. Slash Shay. Je suis le boss. Un problème? Ah, j'ai mis on sans le T. Merde. je vais prendre un coup de bécherelle de l'autre côté. Il manque ex sanguin et puis après on prendra la route, je pense. Slash. J'ai peur de sortir en vrai. On va se rembusquer. Et... Slash say. Et les règles ont changé, non? Même les boss n'ont pas le droit. Pas ça, ça a dit il y a 2 secondes. Les infos. Non, ce que Juice il est vu, il aura 4 points. Juice. Bah normalement, théoriquement, ouais, en fait, le leader a le droit d'être T5. Ce qu'il veut, en fait, ce qu'il veut dans la vidéo, c'est il a dit, même s'il est T7, il vient T7. Oui, il va revenir, ouais. Mais c'est un par groupe, c'est le chef. Il y a juste un qui a fait chier pour mes bots, quoi, mais bon. Il manque Exsanguin. Les bots, t'as dû gagner 3 de résistance, 3 de vie, quoi. On sait où est passé l'argent des abonnés, tout dans le T5, absolument pas. c'est moi qui ai proposé alors, de payer du stuff. Sauter, hein. Qui ai proposé de payer du stuff aux gens, tu vois. J'ai encore 421 000 sur moi pour payer du stuff aux gens si vous avez besoin. Ah, tout cet argent, il Je veux bien que tu me payes à stuff T5 alors. Hein. Non. Sur du T4 pour l'event. T4 pour l'event. Il y en a qui étaient partis sur les montures T5 et Exsanguin, tout ça. Exsanguin, chuchoté. Tu es où? Du coup, on se bat contre qui, nous? On est 19, il nous manque une personne, mais c'est pas trop grave. Après, s'il y a une dernière personne qui est pas trop, enfin, qui est dans le coin et qui veut venir, il n'y a pas de souci. Ah oui. Ah, ça sort, là, ça sort. Il y a Team Poulet qui est sorti, je sais pas quel team c'est, quel groupe c'est, Team Poulet. Bah, nous, il va falloir qu'on s'y dirige, ça sent. Je pense qu'on va bouger, on va y aller. On a traversé. On va aller là-bas. Du coup, on sort, normalement. On se place là-bas, on attend tout le monde et on sort tous en même temps. Ouais, on se place à l'entrée. Sorti.
Non, mais je sors aussi. On se passe juste à la sortie. Je regarde comment ça se passe devant. Donc, on se déplace avec le clic droit, hein, parce que sinon on va attaquer tous les gens. Tapez pas les gens, surtout. Donc là, on va tout droit normalement. Attends, on va tous regrouper à la sortie d'abord. Ouais. Donc on se déplace en clic droit. Ouais. Quoi là, on entend vachement ton clic souris. Je suis désolé. Il nous manque encore qui ? Ludo qui va arriver. Moi j'arrive. Et il manquera avec Sangam, on ne sait pas où il est. Père de la répute. Il vient à la nage, il paraît. Il a loupé le bateau, du coup il vient. Normalement, non, tu ne perds pas de répute étant donné que tu es directement tag PVP. En fait, tout le monde est forcément. Non, Behemoth, on tape pas les gens quand ils sortent. Ouais, les tape surtout pas. Ah bah non, sinon là on chope les gardes à la sortie, on va se faire défoncer. Non, y'a pas de garde ici, on est en zone noire direct. Voilà, c'est les zones noires. Tu sors à gauche, sud-ouest. Ok. Soyez tous à pied, comme ça s'il y a besoin d'utiliser les sorts, on sera directement prêt. T'y arrives, Ludo ? Et voilà, impeccable. Là, c'est parti, on va avancer tranquillou. On va tout droit. Donc, Exsanguin, il est pas là ? Restez en groupe, non, il est pas dans le coin. Restez en groupe, on ne sait pas derrière. Il y a un KFK derrière. Ouais. On attend peut-être. Je vais aller voir. Il arrive. Après, s'il y a des gens qui sont pas en vocal, ils sont peut-être en retard. C'est Fiston. Ouais, ils ont peut-être un petit décalage le temps qu'ils nous voient partir et ça devrait aller. C'est bon, il arrive, je suis avec lui. C'est un heal, on va pas le laisser de côté. Hein. Ah oui, ah non. Bah... Faut pousser le fauteuil roulant. Hein. T'es ambulateur. Si on se prend un stun, là on est mort. Dépaqué. Non, non. Il y a des gens qui nous attaquent qui sont pas non, trop. On devrait pas se faire attaquer sur la route. Et voici le gang. Il y a encore l'Alliance. Salut à toi, Gulden. Comment vas-tu? Alors ça se voit à côté, il y a des morts. Donc, ouais, je vois ça. Il y a des gens qui meurent sur la carte. On y va pas répondu NP avec Sanguin, Oliver ? Non. Non. Ok, bon, c'est pas grave. Donc là, on va en bas, c'est ça ? La sortie sud-ouest. Ouais. Ouais, sud-ouest, ouais. Je vois des petits rollbacks. Je sais pas si c'est moi ou... Ouais, bah aussi. Oui. Y'en a, ils ont peur. Okay. Ah, ça y est, là. Ah non. Non, tu parles. On n'est pas dans une zone de combat encore. Bah, si, on est dans zone rouge. En zone noire. Oui, non, mais c'est pas la zone d'événement encore. On est attribué à une zone. Bah, c'est pas grave. Non. C'est pas le but en soi. C'est un event organisé, on n'est pas là pour. Et les raids armés vont pas venir quand même. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Après, on les contrôle pas, hein. Ça va peut-être finir comme l'année dernière. Hein. Bah, à la fois, au final, ils étaient là, mais ils attaquaient pas, ils défendaient un peu. Ouais, et puis à la fin, on leur a dit « Vas-y, faites-vous plaisir. » Non, c'était War Legends. Ah, c'était War Legends, ok. Oui, il y avait War Legends, mais il y avait des Red Army aussi. Ouais, il y avait un peu tout le monde, hein, je crois. Ils se sont fait plaisir. Alors si on traverse et qu'il y a masse monde, on fait gaffe. On se dirige tranquillou là-bas, dans la zone. Je sais pas comment ça va se passer après. Je sais pas comment ça se passe. On a les infos en même temps que vous. Je sais pas s'il y a une heure ou auquel on commence. Dès qu'on les a... Sur la carte, si on va tous au milieu. Voilà, ça c'est mieux ça. Dès qu'on les a, on vous les donne. Donc voilà. Non, on sait pas plus que vous pour le moment. J'attaque en zone noire. Je me mets dans une ville tranquille ici. Et... Même y a pas de T2 ni de T3. Bah tu fais non. Juste au début là-bas. On va pas tarder à arriver sur zone. Ça va être le bordel. Hein. On a d'autres infos. Oh, Ludofan, il est passé en réputation plus. Bravo. Gold au-dessus. Ouais, au-dessus de gold. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, d'accord. Je suis à 20 000 de réputation. Je sais pas s'il y a que des alliances qui sont remplies de l'autre côté en termes d'équipe. Je ne sais pas.
Ouais, c'est remarquable dessus. J'en ai aucune idée. Noble et remarquable. Ok, donc on est dans la zone de l'event. On va se mettre sur le côté, je pense. On va se mettre sur le côté. Pas trop avancé. On se cache derrière un arbre. Là où il y a Behemoth. Voilà. Il y a des ours. Fais gaffe à l'ours, ouais. Attention à l'ours quand même. Ouais, il y a des ours quand même. Ah, il y a des gens qui arrivent. Ah, il y a les gobs. Mais ouais, mais c'est pas avec les gobs, je crois qu'ils sont dans notre pool. Non. Non, ils sont dans la pool. Non, en même temps, l'ours, il faut s'y mettre tous dessus. Normalement, ça passe. Hein. Oui, mais bon. Ah, oui, bah oui, heureusement, oui. Peut-être s'écarter un peu plus. Si on n'arrive pas à tuer un ours, on peut rentrer. On fait demi-tour. J'ai pas mes outils. On va se mettre là au-dessus, juste au-dessus là où on est avec Euro. Je vais garder sur Discord. Un peu caché, on nous voit pas. Je sais pas si on est pas affiché comme bus quand même sur la map. Non. Bah non, je sais pas, on verrait les autres. Ouais, c'est ça, on verrait les autres groupes. Ouais, je suis possible switch. Hop. Je l'ai fait. Viens là, fiston. Ah, ok. Bonsoir, fiston. C'est bien parce qu'on nous dit go sur le Discord, vous aurez toutes les infos là-bas, au final il y a zéro info. Ouais. Au final, nous on est dans les canaux. Nous on est dans notre canal, il y a personne qui est passé une fois nous voir. On a pas plus d'infos que ça. Je vais voir s'il y a du monde à l'entrée. Oh. De toute façon, je sais pas où sont les autres, du coup, je sais pas s'il y a un moment où ça commence, je sais pas... J'en ai aucune idée, je sais pas. On en attend, il y a peut-être un go sur Skype, je ne sais pas. Nous attendons le début du combat. Ouais, Xangan n'a pas répondu, donc je ne sais pas où il est. On verra. Voilà, on attend encore. On installe on les attend tentes encore. Et barbecue, bah let's go hein. Salut à toi Miracus, comment vas-tu? Oh, je regarde. On va s'endormir à force, hein. Oh. Oh. Ok, Maltor est retourné dans sa team. Je sais pas trop comment ça va se passer, on va voir. Je sais pas s'il y aura un go général, s'il y a un truc organisé. Parce que les trucs, c'est que s'il y a une team qui attend dehors, c'est un peu salaud, tu vois. T'attends dans la zone juste à côté et... On verra bien. Je vais voir, il n'y a pas d'autres canaux. En tout cas, c'est un temps, ils sont chauds. Ouais, j'en doute pas, j'en doute local, pas. Local, c'est juste la map où on est. On veut du sang. Ouais, je sais bien que vous voulez du sang, mais on peut rien faire. Nous, on attend vraiment les infos. L'event est organisé. Parce qu'il y a ça et il y a local. Il y a le dire, il y a le local. Ouais. On attend les infos. La carte où on est, ouais. Les infos de l'organisateur en soi. On nous a demandé d'aller sur le Discord en vocal si possible. On est plus dans l'Alliance, non, l'Alliance a été dissoute pour le PvP. Attendez, j'aime mieux. Sinon, on n'aurait pas pu se taper dessus. Hop. On nous a demandé d'aller sur le Discord si possible pour être là et pour parler avec les orgas s'il y a besoin. Donc, on est connecté au Discord, on a eu aucune info sur le Discord. Mais. J'entends une corne. Mais du coup, ouais, on attend. On a les infos uniquement par Skype en fait, simplement. Et c'est un peu compliqué, du coup on s'est rendu à la zone dans laquelle on devait aller, qu'on nous a dit par rapport à notre pool. Je sais pas si on doit se balader dans la zone, trouver les autres guildes, je ne sais pas. Roichi Cooper, mais c'est que t'es tatoué, c'est que Oliver est tatoué, dis donc. Oui, j'ai un tatouage, bah, je ne l'ai jamais caché en soi, j'ai un tatouage, vous le voyez, voilà, sur tout le bras, enfin, tout l'intérieur du biceps, qui est une phrase écrite en corse. Vous êtes T-combien? On est T4. Enfin, tout le monde est T4, il n'y a que moi qui suis T5. Parce qu'il y a le droit à une personne, donc un streamer, chef de groupe, au-dessus du T4. Ah, il demande si on est là. Il demande si on est là. Nous, on est là. Qui demande si on est là? Tu lui as fait peur, bah, je ne l'ai pas vu. Allô, ready? Bah, nous, on est ready, nous, mais... Où ça? Indie 2, ready. Ah, visiblement, ils sont ready à Indie 2. Ça dit ça où? Je vais quand même demander. Ouais, mettez le nom de l'Alliance, parce que sinon, ils voyaient pas... Ça dit ça où Dans le local. Chat local.
Ah ouais, mais je l'ai pas, moi. Nouvelle onglet. Bah, je l'ai acquis, ouais, je l'ai rajouté au stage guild, parce que comme ça, au moins, ça me... Local. Ah, car... Du coup, il manque Invisible Ready, visiblement... Yolo, je pense. Ok. Et pour donjon, mais le... Fail Academy Ready, voilà. Ah, c'est YOLO, du coup, on a toute la... Il y a ton love qui part en couille. Qui ça? Moi? Ah oui. Toi, je crois. Harry. Il se passe toujours rien, cela fait une demi-heure que je suis parti, il s'est rien passé, ouais, je sais bien, je sais bien. On attend, on a les infos. On évite je sais pas. Les animaux de la forêt en même temps qu'on... Du coup, faut faire quoi? Faut se déplacer sur la map et trouver du monde? Voilà, tu te promènes et puis t'as le droit de défoncer tout ce que tu croises. D'accord. Ouais. Et techniquement, bah après, je sais pas, du coup, pour les derniers, est-ce que si on est obligé de les compter à chaque fois qu'on en tue un, pour savoir qui a gagné? c'est ça. Ça va être chaud. Ça va être compliqué. Et reste qui? Ça reste des vivants. C'est surtout que les autres, ils peuvent revenir, du coup. T'as décalé vous par classe, un peu. Les tanks à gauche, et ainsi de suite. Qu'on voit un peu... Il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a 7 tanks. C'est 7 tanks. Après, il y a quoi? Il y a du cac. En cac, on a quoi? On a de la dague, de la double épée. Ça c'est quoi? Pas mal de dagues, ouais. Pika la lance. Il y a un mage. On a un mage, on a trois heals. Deux archers. Ça va, c'est pas trop dégueu. Commence à 6h38 PM. Dans 10 minutes, quoi. C'est quoi cet horaire? Ça commence à 6h38. Attends. De quel fuseau horaire? Yeah. Non, c'est heure serveur en fait. Ah, il y a des gens qui arrivent. Oula. Ils sont... Reculez. Ils sont pas avec nous. Reculez. Ils sont pas avec nous, les tapez pas. Reculez, Wildfire, Lolmist. Parce que je crois qu'eux, ils vont dans une autre zone, ils se battent pas ici. Ah, on se bat pas tous au même endroit? Non, il y a plusieurs poules en fait. Il y a trois poules même. Il y a 3 zones de 4 équipes. Et on est contre qui, nous? Nous sommes contre, Indy 2, Imperium et Blam Eli. Imperium, je crois qu'ils sont over méga stuff. Bah, t'es 4 normalement. Mais ouais. Il y a plusieurs teams indispensables. Ouais, il y en a 4. Je sais pas qui c'est le chef de Indy 2. Je sais pas. Mais ça disait que tout à l'heure ils étaient ready donc. Attends, je vais aller voir sur le Discord. Team Indie, est-ce qu'il y a Indie 2? C'est vrai que c'est ceux de la même poule. Ah bah oui, si on se fight pas comme tout le monde, quoi. Indie 2, ils sont par là? Non. Je crois qu'ils sont tous dans le même... ils sont tous dans le même canal Indie. Ça va être un merdier là-bas. Hop. On attend. On fait que ça depuis le début. On attend. Apparemment, il y a des guildes qui vont laisser les autres s'entretuer. Ah, mais ça peut se faire aussi, hein. Tu te mets dans un coin, t'attends, tu restes comme nous là où on est, t'attends que les autres se tuent un peu, et t'y vas après, hein. Tu fais leur masse-miette. Dès que quelqu'un va attaquer, ça sera la merde. Ouais. Ça va être le bordel. Hein. On peut bouger. Mais en soi, ce qu'il y a... De toute façon, on va bouger. Ils vont pas venir là. En soi, ce qu'il y a, c'est que... Dès qu'il va y avoir un mort, n'importe où, un mort, on va voir une tête de mort apparaître sur la map. Et du coup, là, ça va nous dire où c'est qu'il y a les morts. Mais comme je dis, de toute façon, dès qu'il y aura un mort, tu vas le voir sur la carte. Donc, tu sais vers où c'est. Oui, tu sais où ils sont les gens. Dès qu'il y en a un qui meurt, tu vas voir la tête de mort sur la carte. Donc. Exactement. Après, on encercle les gens. Attention, où? On n'avait pas les agros. Oh. Je dis organisation sur 20. Ah, faut aller en vouloir, ça c'est pas évident non plus, je pense. Ils sont agro. Ah, bah, allô. C'est pas évident non plus, je pense. Ils sont déjà start sur les autres teams. Hein? Non, ça pas start, on start à 38.
38 UTC. Par contre, je viens de me rendre compte. Mais. Ah non, c'est bon. Je croyais qu'il est marqué 18h38 PM. C'est pour ça que je. Ouais, du coup, dans 6 minutes. Ouais. 6 minutes, on promène tous paquets. 7 minutes. Moi, sur le serveur, j'ai marqué 18h31. Ah oui, 31, oui, oui. Oui, oui. Attention, heure serveur. Ouais, parce que oui, moi j'aurais. Par contre, c'est permis qu'on se cache dans les donjons et qu'on attende qu'ils se tapent sur la gueule. Non. Je suis pas sûr. Après, tu peux attendre là et attendre qu'ils se tapent sur la gueule. Hein. Ça change rien. Zerator est en combat. Oui, mais Zerator doit être. Zerator, il est pool. Pool 1. Pool 1 et de Indie 1. Voilà. Indispensable 1, je pense. C'est pour ça. Du coup, personne n'a vérifié le stuff. Ça se trouve, il y en a qui en avaient dans leur inventaire. Ah oui, mais clairement. Ça tombait quand des gens full T7 en face. Tu vas faire what? Après, ça se voit au skin à peu près. Ah, le T5, tu vois, t'as des petits encadrés rouges comme moi. Avec les épaules, de toute façon, elles sont. Le T4, c'est du bleu. T4, c'est bleu. T5, c'est rouge. T6, c'est jaune. Ouais, après T7, je pense que personne en a. Faut focus stratégiquement, de toute façon, tout va se jouer sur ça. Exactement, exactement. Comme ça dit sur mon chat, tout va se jouer sur le focus. Bah, ouais, comme ça lag pas trop, là, ouais, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que les tanks, faut vraiment prendre la front lane, aller sur les autres tanks et YOLO, et c'est derrière qu'il faut essayer de... d'interrupter un peu les heals, des trucs ouais, voilà. Comme ça. Ouais, c'est derrière qu'il faut focus du heal d'abord, et on verra après. Ouais. Alors, faut savoir que si on n'achève pas les gens, ils peuvent se relever au bout de 30 secondes ou je sais pas combien. On peut voir les poules quelque part ou c'est juste pour nous. C'est juste pour nous, il n'y a que nous qui avons les infos. Non, c'est plus, je crois. C'est un joueur qui est tombé. Attends. C'est possible, c'est peut-être un peu plus, j'ai pas en tête. Bah, moi, on verra. D'après, mais c'était 10 minutes. Ah non, il m'a tué donc. Non, mais c'est possible que ce soit 10 minutes. Hein. Mais quand Alex est battu dans un donjon, mettre, mais... il est resté méga longtemps au sol. Ah, mais là, t'es en zone noire, tu restes plus au sol, t'inquiète. Hein. T'es au sol, il t'achève, c'est fini. Ah, oui, oui, tu rentres en ville, tu fais revenir en ville et t'es tout nu et tu recommences, quoi. Bon, on verra comment ça se passe. Après, je pense que si tu tombes au sol, y a bien quelqu'un qui va venir t'achever dans tous les cas. Donc. Puis s'ils font pas eux, je le ferai moi, hein, je revends le stuff après autant. encore 4 petites minutes. 4 minutes. Ouais. Il y a une heure de lancement. Pas de soucis, juste ouais, pour savoir, te casse pas la tête. Non, mais y a pas de soucis. Mais si tu veux, je te le répète, Greenvins. Alors, dans la poule 1, tu as. Donc, on reste bien paquet au début. Ours, VS. Gobin Ours. VS Indien, VS Sardoche Army. Donc, t'as 4 guildes dans la même zone qui vont se foutre sur la gueule. Oh, je sens que de toute façon, on a beau organiser une stratégie, ça va être le bordel. Pool 2, pool 2 c'est la nôtre. pool 2, tu as donc Fail Academy. Ah ouais, Saber, attends. VS Indie 2, VS Empyrium, VS Blame Ellie. Et pool 3, tu as Coldown, VS Ours Saber 2, nous rejoindre. VS GDK, ouais. VS Metatron. Ah, c'est vrai qu'il va falloir penser aux soupes, si vous en avez prises. Qui c'est qui a des soupes? À me dépanner. Ah, j'en ai quoi des moi. Une petite soupe. Ah, j'en ai pas. Moi non plus. J'ai pas pensé à ça. J'ai vu qu'il y a. Après la soupe, ça fait quoi? Il y en avait qui a des potions. Il y en avait qui a des potions et tout. Ouais. Ah, j'ai quelques potions, ouais, moi. Ah, vas-y, envoie de la potion. Moi j'ai rien. J'en ai 5. C'est bon, on va en une. Je peux t'en donner deux. Deux, allez, deux. Ça remet 8%, quoi. Je suis tout en bas. Hop, alt. Split. Et où? Ah oui, là. En bas. Ça me fait penser à Guild Wars 2. Non, je pense qu'on va rester vers les routes parce que. Quand on était en PVP, on jouait, mais en bus et tous regroupés. Ouais, faudra faire gaffe quand même. Si on voit un ours, l'ours, son debuff, il retire mi-PV quoi. Ouais, il picote hein, les animaux. Après, ça peut être une strat aussi. On les attire eux dans les. Venir vers les animaux, ouais. Je sais pas si vous êtes chaud, mais moi je suis chaud patate là. En sort, est-ce que j'ai mon sort? J'ai les sorts pour me barrer.
Je vous préviens d'avance, hein. J'ai réglé mes sorts pour me barrer au cas où. Hein. Donc j'ai le fufu et tout qui court vite. Hein. Ah, j'ai pas mis le fufu, moi. Bravo. Mais moi je suis chaud. Si je vois que ça va être trop la merde, je vais vite me barrer. Et je vais prendre la clean ce mois. Et j'ai sans plan, faut pas le dire. Ça peut être pratique. Apparemment, il manque une team avec nous, non? Bah non. Ben ouais. Cooldown, c'est pas cooldown avec nous. Cooldown, c'est pool 3. Bah ouais, mais ça a changé. Ça a changé en cours, du coup, les gens ils savent plus trop, je pense. Mais dans tous les cas, il y a une des trois teams qui a pas... enfin, une des quatre teams qui a pas répondu aux appels. D'accord. Ouais, ça, ils ont rien dit depuis tout à l'heure. Ah, ça doit être Blamely. Ça se trouve, ils font genre, ils sont pas là et puis. Ah, c'est ça. Putain, fight à 3, du coup, ça va être tendu, hein. Ouais, ça va être encore plus focus, quoi. ça dit sur mon chat, Pika, le premier à mourir, Kappa. On est pas sur Arc, ça va. Non. Il y a un mec. Il est 38. Ouais, mais c'est pas... Non, il est 37, il est 37, il est 37. Je vois 38, moi, il sur le jeu. Il est pas là, en plus. Ouais, moi, j'ai 38. Ah, non, il est 38 sur le jeu. En serveur, moi, j'ai 37. Quand je dirais il est 38, il est 38. Ouais, moi j'ai 38 partout. Hein. Ah, moi j'ai pas 38. Pas encore. Pas encore. Salut à toi, Pajarifa. Go. Visiblement, go. Ça dégoûte. Bah, écoutez, c'est parti. On suit la route. On suit la route au départ. Bon, je t'as suivi le cheval. Ouais, y'en a un qui a pris son cheval. Il a pas le cheval. Un dit de raison. Il est confiant. J'en viens dans une heure. Ça va. Il est confiant. On y va, c'est parti. Du coup, on peut se déplacer avec l'île gauche maintenant. Full la merde. Ouais, juste éviter d'attaquer les animaux. Bah, sauf les animaux. Oh, y'a de la pire P5. Essayez de pas mourir trop vite non plus. On reste derrière, moi je me suis attendu un peu devant. Fais attention de pas se faire cut par les gens derrière, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Bon, on sait pas trop où ils sont, donc y'a un ours là-haut. Pour resserrer les rangs quand on se déplace. Sors de Charmy. Sors de Charmy, faut attaquer ça. Ouais, je sais pas moi. Je sais pas. Moi j'attaque, hein. Je crois qu'ils sont pas avec nous, mais Ouais, il a quand même pas passé ici, hein. Il va réussir à s'en sortir. Il est mort. Vous avez tué les ours par contre sur vous, du coup. Tuez-le. Faites gaffe aux ours derrière. Là, il y a des pinches devant, gaffe. Ah, les ninja loot, quoi. Attention, monstre. Reculez, ressortez. Attention, on recule. Go vers la route, il y a des gros pinches, là. Oh, le pauvre. Ouais, il faut sortir par le petit pont. Tuez l'ours. Ah, ça disait, on peut pas lancer. Alors, attends, on peut pas lancer sans réponse. Faut qu'on recule ou... bah... Apparemment, il n'y a pas la réponse de cooldown, donc on peut pas lancer. Ah, on peut pas... Ok. Bon, bah on a tué un gars, je crois qu'il était pas de notre... Non, en plus, il est pas de chez nous, c'est un de Charmy, c'est quoi? C'est pool 1. Ça va nous tomber dessus, ça. Hein. Ah non, mec... Ouais, il passe en plein milieu de combat. Il On est en zone noire, voilà. Ah, il y a des mecs, non, c'est un D4, c'est pas eux. C'est un D4, mais c'est même pas nous, c'est même pas nous, reculer. C'est le stream et tout, c'est pas nous. Ah oui, mais ils veulent nous attaquer? Go. Bah go, hein. Un D3. Go, ouais. Non, mais c'est quoi tout ce monde là? Oh, bah bourré, c'est hein. Quoi, c'est pas la bonne zone, on n'est pas dans la bonne zone. En plus, ils sont alliés ou quoi? Ils sont tous ensemble, c'est quoi ce. Pourquoi ils sont alliés? Je sais pas. Ouais, ça va, ça cheat bien, quoi. Attention, on essaye de pas laisser trop de personnes isolées. Lancer des sorts de zone au milieu, ils sont tous paqués. Lancer des gros sorts de zone en plein milieu, essayer de ressortir. Oh, nice ça. Ça va faire mal. Là, il y en a un qui est mort. Là, il y en a un qui est mort. Indispensable. Il y en a un qui se rapproche, là. Mais c'est quoi ces teams trop chelous? Il y a des gens... Ils sont deux équipes, en fait. Ouais, mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup en plus. Il est mort lui ou faut l'achever? Tuez-le. J'ai plus de vie moi derrière, Faites gaffe à vous. On essaie de rester plutôt groupé. Je stun, j'ai plus de vie. Bon, il va y avoir des morts. Mais c'est un peu bizarre. Je vais peut-être mourir, je recule sur le côté. Et il recule. Oh, c'est ils le Ils sont attaqués merde. Par des arbres en plus. Hein. C'est ils le attaqués par derrière. C'est qu'on peut de vie reculer, hein. Faites-vous heal. Je vais sauver la vie à Vega
Il y a un arbre, laissez attaquer les arbres, attaquez pas les arbres. Tu es par l'épine. Ah, reculez, reculez. Essayez de vous repliquer, essayez de reculer tous ceux qui sont vers l'épine. Revenez vers nous là. Reculez tous sur la route. Pont au pont, bloquez au pont, bloquez au pont. Ah, mais il y a des gens là. Ah, mais ils sont combien? Ah, mais c'est pas les mêmes encore. C'est empiré comme ça. Ah, bah, je suis mort. Ouais, on s'est fait choper par notre bus qui descendait. Ouais, on s'est fait attaquer par pas notre poule. C'est même pas notre poule. Je sais pas ce qui s'est passé en vrai. Attends. Mais c'est quoi cette zone de combat? On est dit c'est cette zone et au final on se tombe sur deux équipes qui se sont alliées. Pourquoi déjà il y a des gars d'Handicap qui s'allient avec le stream? Je sais pas ce qui s'est passé en vrai. C'est parce qu'ils étaient plus devant. Ils étaient beaucoup plus devant en face de nous. Là. Ah oui, clairement. Ouais. Mais en même temps, ils n'auraient pas mis les mêmes poules dans la même zone. Moi, je suis mort, je suis obligé de revenir à la ville. Hein. Mon stuff n'a pas été ramassé si vous voulez revenir, mais... Ouais, j'essaie de fuir, mais ça va être chaud. Non, mais changez de zone, Ah ouais, mais je retourne en ville, moi. C'est totalement abusé. Ah, regardez. Regardez le monde qu'il y a ici. Ouais, et puis là, il y a d'autres gens encore. Ouais. Mais c'est pas du 4v4v4, tout le monde a été à la même zone, ils savent pas lire. Faut que je retourne au port, du coup, chercher mon stuff là-bas. Attention à l'ours. Ouais, mais je vais me faire tuer par l'ours, hein. Quel ours a des tags? Du coup, si vous mourrez, on attend tous en ville, tous les morts, vous attendez en ville. On retournera tous en même temps. Ça me dit, ben Barvo, je me suis un peu fait charge, j'étais bloqué sur place. Et du coup, j'ai rien pu faire, quoi. On peut toujours pas passer? On est toujours en combat, mais c'est abusé. Ouais, vous êtes en combat si vous êtes devant. Alors, j'ai pas compris pourquoi... Vas-y, je cours. Moi, je suis mort. On peut passer, si vous êtes pas fait aggro. Si vous êtes pas fait aggro, vous pouvez passer, mais... Je suis à la ville, je récupère mon stuff, moi. C'était beaucoup trop le bordel. Bah en fait, j'ai pas compris pourquoi... Moi, je suis mort par un ours. On s'est pris au moins 80 personnes, alors qu'on est censé être 80... Même pas 80, on est censé... Au final, il y avait une équipe qui répondait pas. On était censé être 40 en face de nous. Pas 200, hein. C'est le RIP. Oh, le nombre de gens à poil ici. Non mais même dans l'autre zone en fait ils attaquent aussi. Ils sont masse aussi. Et oui, je crois qu'en fait il y en a aucun qui respecte les raids là en vrai. Du coup j'ai récupéré mon stuff, j'attendrai les gens dans la première ville noire. Enfin la première ville noire, ouais la ville... Mais ce que je comprends pas trop, c'est que c'est bizarre ce qui s'est passé. Ils auraient pas dit à plusieurs poules de se mettre au même endroit. Et le stream. Déjà, pourquoi ils s'attaquaient pas le stream Indicat? Déjà, c'est du PVP, tu fais pas d'alliance. C'est déjà... C'est totalement pété, sinon. Ouais, je sais pas. Bon, mais fair play sur 20. C'est pas grave. Ouais, exactement. Ce n'est pas la Fail Academy pour rien. Ah, bah là, c'est pas vraiment notre faute. Hein. On s'en sortait plutôt pas mal au final. Hein. Ils étaient au moins 40 en face de nous. On s'en est pas trop mal sorti. On en a tué 4-5, je pense. Bah, en vrai, on en a tué beaucoup de la première guilde. Ouais, sur le 20 contre 20, on aurait eu nos chances. Hein. Parce que sur la première vague, on a mis lourd quand même. Hein. On en a défoncé, ouais. Je pense, une parce bonne dizaine, peut-être. Même là, en vrai. En vrai, sur la grosse équipe qui sont arrivés sur nous après, où ils étaient je ne sais combien... Oui, derrière au pont, on s'est fait tellement... Non, en vrai, on a quand même mis lourd. Hein. Moi, j'arrivais derrière, j'ai mis lourd derrière. J'ai vu que ça a mis lourd, on a tué des mecs quand même. Mais on était déjà mis life, enfin, il y en avait... On n'était même pas regroupés, du coup, parce que on se fightait de l'autre côté, donc c'est vrai que... Ouais. Mais j'ai pas compris déjà pourquoi le stream et Indicat se fightaient pas déjà. Bah, qu'est-ce qu'ils faisaient là, parce que c'est même pas mal pool déjà. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors après, le peut-être qu'il y avait Indicat. Pas assez de monde et qu'ils s'étaient groupés ou je sais pas. Non, ils étaient beaucoup, ils étaient plus que 20. Ils avaient l'air d'être nombreux. Ce que ça représentait, on était tous collés, ça représentait rien. Ouais. Mais il y a eu un paquet de morts, hein, quand on voit tous les gens qui sont là. Nous, ce qu'il y a, c'était Indy 2. Ah oui. Normalement, on devait avoir Indy 2, Imperium, donc ceux qui sont arrivés tout à la fin sur notre gueule. Ceux qui sont arrivés derrière nous, qui nous ont chargés, du coup, on s'est fait défoncer. Ouais, voilà. Qui sont arrivés tout à la fin. Mais oui, c'est le jeu, mais en soi, on a eu des équipes qui ne devaient pas nous tomber dessus. Ouais, oui, c'est sûr. En fait, c'est pas le fait de mourir qui nous dérange. Ça me dit le karma pour avoir tué le mec solo. Mais non, il traîne.
contre les mauvaises équipes, quoi. Bah, j'écris à leur gars, on verra bien. Mais ils nous rendent le staff. Non, ils nous rendent rien. Et par contre, si vous... Mais moi, je vais rentrer... Si vous n'avez pas de stuff, on peut vous le racheter. Hein. Je vais rentrer à l'île de guild, du coup. Je vais me racheter un stuff. Là, moi, j'ai mon stuff, je vais vous accompagner, mais je pense que c'est safe, normalement, la route jusqu'à la maison. Bah, le problème, si l'event est mal organisé, et personne ne voudra refaire. Bah, tous ceux qui n'ont pas d'armure, qui peuvent vraiment pas racheter, voilà, si vous voulez, on vous en rachète. Ouais, je vous repaye, je repaye du stuff T4, si vous avez besoin. On rentre tranquille. Ah, moi, là, je veux quand même voir si je ne peux pas récupérer mon stuff. Ouais, c'est mort. Il y a une zone noire complète à traverser. Non, mais c'est surtout, en fait, la plupart du stuff se transforme en objet détruit à chaque fois. Oui, le truc, voilà. C'est que tu peux pas récupérer 100%. Et il y en a, ils sont à dead arm, quoi. Ils se sont pas battus. Parce que... Je vois des Fail Academy qui sont à cheval dans la première zone. Mais ouais, après, pour tous ceux qui ont perdu du stuff et qu'elle y tenait, vous avez pris les mains de racheter, il n'y a vraiment pas de soucis. Bon, comme vous voyez taper, je suis en train de communiquer. C'est vrai qu'on doit rentrer. Bah non, on est à poil, on peut prendre une diligence, non? Avec, avec les copains. Stuff, je peux... La diligence, c'est avec, trop cher. Avec Alex. Bah, et, si t'es avec l'organisateur. Ça ne coûte rien, normalement. Est-ce qu'il y a une charrette par là? Je suis pas sûr qu'il y a une charrette par là. Il y a Marcus et Gob qui se mettent des coups de patate à poil. On va se battre à poil. Mais moi, j'avais mon cheval au port, du coup, je rentre tranquillou. Bah moi, je vais rentrer à pied. Je prends la route. Tranquille à pied. Moi, ça va, j'ai gagné 5000 gold au total. Enfin, silver. Il y a eu du stuff de looté ou pas? Bah, je pense que oui, il y a eu du stuff de looté. Une botte et un casque. Sur les premiers. Ah, sur les premiers, ouais, ça... il y a eu Loot Ninja. Les mecs, ils sont arrivés, ils se sont jetés dessus. Mais. Après, c'était un peu plus chaud parce que du coup, il y avait les gens du stream et d'Indie, ils étaient quand même juste derrière. Donc pour looter, bah ouais, mais je sais pas comment en fait, pour qu'il y avait le stream, Indie 4, il y avait notre guild aussi avec eux. Et c'était 3 guilds réunis. Ouais, ils étaient 3, ouais. Ouais. Il y avait Indie 3, Indie 4 et le stream. Après, combien ils étaient au total, je sais pas, mais ils avaient l'air nombreux. Hein. Bah, 3 teams, ouais, 3 teams ça fait 60 personnes. Ah oui, c'est plus nombreux. Oui. Oui, ça fait 60, quoi. Oui, ils étaient plus nombreux que nous, oui. Alors, je veux bien qu'il manque 2 personnes dans le groupe, mais... Mais ils étaient nombreux. Hop. Bon, bah, moi, j'ai mon deuxième stuff dag. Je vais peut-être jouer à ça, maintenant. Je vais tester. Du coup, Pika, il change de spé. Hein. C'est ça. Non, j'ai encore des armes à la maison. Du coup, j'attends la réponse de mon côté pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que l'event est malheureusement terminé pour nous. Ah ouais, bon. Du coup, pour ceux qui J'arrive à retourner jusqu'à la zone où on était. Sauf qu'au bout d'un petit pont, t'as tous les indies qui sont là et qui bloquent. Ouais, ouais. Mais oui, ouais. Apparemment, une fois qu'on est mort, faut attendre. Gigo, ah bon Gel, et bon, là, il y a tous. Merci pour je le. Il n'y a pas de c'est ce qu'il dit sur la place. Des bisous, Wito. Ah, qui sait, ils vont peut-être nous offrir tout le staff, hein. Lol. Bah, je suis pas sûr. Non, attendre avant de retourner sur zone, je pense. J'ai été trop loin, déjà. Oui, attendre avant de retourner, puisque normalement, c'est en deux poules. Donc, en gros, les gagnants de la poule 1 vont se battre contre la poule 2, contre la poule... les gagnants de la poule 2, de la poule 3, et... Apparemment, faut attendre non, le poule 2. La poule 1. Ouais, mais enfin, regarde, en soi... Je suis tout nu, j'ai plus rien. Donc je vais pas attendre autre chose. Moi j'ai pas de nouvelles. Non, la route est longue à pied. Sur le Discord, y a personne qui est venu avec nous? Non. Toi, t'étais mute, de toute façon, sur le Discord. Ouais, ah, je suis mute, donc j'aurais entendu. Non, et puis, pas de nouvelles infos, je regardais tout. Ouais. Je communique avec notre patron, en même temps. Bah, de toute façon, là, je pense pas qu'on soit en état de... De retour des fights. Ah mais moi c'est pareil, ça me disait sur le chat, apparemment faut attendre le pool 2. Mais si tu veux le pool 2 tout nu, hein, ça va être compliqué quoi.
Les poules 2, c'est les gagnants. Il n'y aura pas de poule 2. Hein. Mais si, mais c'est les gagnants. Oui, oui, donc je veux dire pour nous, la poule 2. Ah non, pour nous, bah non. Techniquement, c'est les gagnants de chaque poule qui font, bah, du coup, qui se battent entre. Ça fait 4 équipes encore en versus. On va voir. Moi, j'attends les infos de mon côté. Je vous les donne dans tous les cas à tout le monde. Dès que je les ai. D'organiser un événement comme ça quand il n'y a aucun outil qui le permet dans le jeu, quoi. Ouais. Prévoir une semaine d'avance et tout fixer sur le papier, tu sais, que ce soit écrit noir sur blanc. Là, on a eu un condensé. Ouais, avec ça, les gens peuvent venir, les gens peuvent. Tu peux pas bloquer le stuff, tu peux pas voir combien il y a de morts de chaque côté. Ouais. C'est compliqué. Bon, moi je rentre tranquille. Après, même si t'as des gens qui surveillent, tu peux pas tout surveiller, c'est pas possible, la carte est trop grande, les gens peuvent aller n'importe où. Je suis avec mon petit dada, je rentre tranquillou. Je vais racheter le stuff à ceux qui en ont besoin en T4. Et voilà. Et on verra si c'est full zone 2 là, pour ceux qui veulent rentrer, vous ferez pas attaquer. Ah oui, là, ça risque rien, vous pouvez rentrer tranquille jusqu'à la ville de Guild. Moi, j'ai déjà profité pour reprendre arc et armure parce qu'ici ils étaient pas chers. J'allais voir dans les autres villes pour voir s'il n'y a pas moins cher parce que les prix sont un peu. Ah oui, c'est vrai que des fois les zones, ouais. C'est vrai qu'on peut regarder. En théorie, le moins cher c'est vraiment dans les grandes villes puisqu'il y a beaucoup d'achats-ventes. Ouais. Ouais, non, c'est plus cher ici pour moi. J'ai pas regardé moi. Bah, il me reste de toute façon juste un arc à racheter. Ouais, encore. Je suis même pas obligé. Ok. Attendez, je sais pas si vous avez vu l'info. Hop. Vous êtes tout. Attends, je regarde. Ok. C'est bon, vous avez vu l'info, Euro et... Ouais, dans la... sur Skype. Attends. Non, hop. Non, j'ai pas eu. Ah non, c'est pas ça. Je te l'envoie. Ok. Voilà. Ok. Ouais, pas de soucis. Mais après, du coup, de toute manière, on peut rentrer de là-bas. Ah oui, clairement. Sur les 20, techniquement, on a participé à l'event. On ne peut malheureusement plus rien faire. Surtout que tout le monde a pas un deuxième stuff. Exactement. Donc, moi, je vais rentrer, je vais me faire une petite pause. Histoire de boire un coup, tranquillou. comme ça, j'espère qu'il y aura éventuellement des infos entre-temps. Ouais. Bah du coup, ceux qui veulent rentrer, vous pouvez commencer à rentrer. S'il y en a qui n'ont pas les moyens, pas les ressources pour refaire un stuff, n'hésitez pas à demander. Du coup, on va faire ça. Ouais, si vous n'avez pas les ressources ou même... On rentre tranquillou. On va se faire une petite pause de 5 minutes. Après, je vais racheter le stuff à l'HV à ceux qui ont besoin. Je leur repaye un stuff. Je trouve ça normal. On est les dirigeants de la guilde, entre guillemets, je vais le dire. On a de l'argent parce qu'on était en premium. Je leur repaye un stuff, c'est normal. Voilà. Ils sont venus, c'est cool d'être venus avec nous. Ils ont perdu un stuff, je leur repaye. Je trouve ça normal. Et il n'y a pas de souci là-dessus. 15v1. Bah sinon, on aurait pu, tu sais, avec des mages, des gros mages frost, DAO et tout. Ouais. On a fait des packs à un moment, ils étaient magnifiques. Quand ils arrivent au pont. Moi, j'ai lancé mes plus de flèches en plein milieu des gros ponts. Après l'event, on pourra avoir du vrai Albion. Je sais pas qui est-ce qui a ce sort-là. Ou il y a quelqu'un qui a pack 10 personnes au ouais, même un espèce de mur, ouais. Un espèce de mur devant là qui repousse les ennemis. Bah non, c'était même pas ça. C'est pas genre, vraiment un trou noir un peu. C'est le trou noir, ouais. Bon courage en ville. Ouais, hein. C'est juste je vous préviens d'avance. Ouais. Bon courage en ville. Il me reste une zone à faire et j'arrive en ville. Mais ouais, c'est le trou noir. Le trou noir, c'est. Ah, c'est le mage du coup. Ok. C'est le mage ombre, ouais. Du coup, moi j'ai vu ça, j'ai mis mes coups de lance au milieu et tout. Si on avait en PVP, je suis tellement fort, quoi.
tu mets un tourbillon et puis Masao dessus. Du coup, je fais une petite pause, moi je vous dis à de suite. Ouais, à tout de suite. À tout... Hop, du coup, les gens, on va se faire une petite pause. Le temps d'attendre un petit peu les infos. J'attends, il doit être un combat. Je pense. Du coup, j'attends les infos. Je ne sais pas encore si on doit avoir une poule 2, enfin un tour 2 ou autre. J'attends d'avoir tout ça. Je ne peux pas aller plus vite que la musique et soutirer les informations que je n'ai pas. Du coup, on va se faire une petite pause de 5 minutes. On va aller boire un coup, manger un petit bout, se dégourdir les jambes, tout ça. Je vous dis à tout de suite. Amends with the demons you've been through.
I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Et re, putain, j'arrivais pas à couper la musique, t'es sonné. Re tout le monde, on se retrouve après cet event sur Albion Online. J'ai pas plus d'informations, je vais retourner un peu en vocal avec les copains juste pour leur dire de wisp pour le stuff qu'ils ont besoin. Ouais, les copains, si vous avez perdu du stuff, vous avez besoin qu'on vous le rachète, wispez-moi directement ce qu'il vous faut et je vous l'achète directement à la capitale de Guild. Du coup, on va commencer à racheter du stuff tranquille. Ah, le Noob Zerator était en ville et sur le chemin, il est allé dans un donjon et il s'est fait buter par les mobs. Ça arrive, ça arrive. Du coup, c'est du stuff T4 qu'on doit racheter aux gens. C'est là. Hop, palier 4. Donc, il y a eu Claymore. Claymore de l'Adepte. On en achète une. Hop. Il y avait armure chevalier. Alors, chevalier. Hop, on achète des bottes. C'est où? Armure. Pardon. Une tête. Hop, et un plastron. Hop, voilà. Tout prendre. Après, on a quoi? Mon raccord, c'est bon. Allez, sac T4 aussi. Un sac. Peut-être raccord, c'était dans le coin. À côté de l'HV. Est-ce qu'il est avec mon raccord? Je sais même pas. Oui, il est là. Oui, je crois. Attends, je vais acheter le... Au pire, je dois avoir stuff du... suivant. J'ai du minerai de base, moi. Du minerai T4, prêt, s'il y a des gens qui veulent crafter. Bottes et casque cuir, un merco. Voilà. Donc c'est mercenaire. Oui, mercenaire. Des fois, plutôt que d'acheter le stuff, bon... acheter les quoi, bottes et casque, puis... bottes et casque, bottes et casque. Ça permet que ça leur monte en plus leur craft. Hop, on a le casque, les bottes, armure, chaussures moyennes. Hop, acheter, impeccable. Veste mercenaire, adepte. Du coup, pour ceux qui veulent, moi au pire, j'ai un stuff cuir T4 que j'avais sur moi. Veste mercenaire, adepte, capuchon mercenaire. Que je peux refiler. Ok, donc c'est mercenaire. Il nous faut un stuff complet mercenaire encore. Je vais passer en royal du coup. Ah, t'as remis ton royal. C'est mercenaire, pardon. À la limite, moi je le veux bien, comme ça, ça... Oliver doit pas racheter tout, parce que moi, il faut juste encore casque et... J'ai acheté casque et bottes, j'ai déjà acheté. Christus s'est acheté aussi, Dracor s'est acheté. Qui c'est qu'on avait d'autre? Ziz. Ziz, c'est un set T4 gardien. Gardien, c'est ici. Chaussures lourdes, hop. Boubou et masse. Bouclier, donc ça c'est... Non, déjà il y a masse. Hop. Et bouclier. Hop, on vient ici, on fait tout prendre.
Bonsoir, je viens d'arriver, pourrait-on me faire un rapide résumé de ce qui s'est passé? Ça serait sympa. Yaman Event, ton Ital Event, c'était par pool, par map. Donc il y avait 4 poules par map normalement. On s'est retrouvé là-bas, on n'était que 3 poules présentes. Il y a eu un go de lancer, on y est allé. On a trouvé une team qui n'était apparemment pas la bonne. On s'est démerdé dessus. Ça a pas mal été. Et après, il y a un regroupement de teams en fait qui nous est tombé dessus. Donc ils étaient entre 40 et 60 joueurs. Plusieurs teams réunis qui nous sont tombés dessus. Et ça a commencé à être la merde. On n'est pas tous morts là. Mais du coup, on a fui, on a essayé de s'échapper. On est retombé sur une équipe contre laquelle on devait être. Qui nous ont encore plus ramassé la tronche. Et après, c'était fuyer pour vos vies, quoi. Et donc c'était un peu compliqué. Pour redonner les stuff, on se retrouve sur l'île de Guild. J'ai tout acheté. Ok. Drakkor, hop. Drakkor, c'était quoi? Claymore, armure chevalier T4. Non, c'était pas ça. Et un sac, c'était ça? Ouais, sac T4. La Claymore, c'est celle-là. Et armure chevalier. C'est ça. Tu me confirmes? Oui, voilà. D'accord, c'est bon. On avait Ziz. Ziz, hop. Échanger. Ziz, c'était quoi? Ziz, c'était... T4, gardien. Boubou et Mas. Alors, Mas, Boubou, gardien. Gardien et gardien. Azra, hop. Échanger. Azra, c'était bottes et casque cuir mercenaire. Ouais, c'est bien ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et après, on avait Christus. Ouais, j'arrive, je suis une case là. Pas de soucis. Merci pour le résumé, mais y'a pas de soucis, Kidam. Avec plaisir. J'ai mis en route mon petit GPS, c'est tout ça. Des infos sur les runes 2, voir si on est dedans quand même ou... J'ai l'orgue qui m'a envoyé un truc, mais pas plus d'infos que ça. Ok. Il parlait plus du futur que pour savoir si des fois il s'est trompé et qu'on était dans la poule 2, quoi. On est dans le tour 2 alors qu'on s'est fait défoncer. Du coup, est-ce que d'autres personnes ont besoin de stuff tant que j'y suis? Profitez, hein. C'est le moment où... Bah pareil, j'ai toujours mon stuff T4, moi. J'ai un full T4 gardien, bouclier épais, si ça dit à quelqu'un. Moi, je n'en ai pas besoin, dans tous les cas, donc... Là, j'ai une petite question, si quelqu'un sait. Parce qu'on parlait du focus tout à l'heure, là, quand on nourrit... Enfin, quand on utilise les champs, et en fait, quand on nourrit les bêtes, ça consomme du focus. La focale, ouais. Mais du coup, le focus, tu peux en récupérer? T'en récupères dans le temps. D'accord. Ça se farme pas, quoi. T'as pas des moyens de farmer le focus. Non. Du coup, j'ai pas eu plus d'infos que ça. Après, j'attends, j'ai reposé une question pour voir. Ça réduit, tu sais, t'as des... Genre les niveaux de craft ou quoi. Ça te réduit ton coût en focalisation. Déjà aussi avec le premium, tu as 1000 de focus par jour. Par jour, est-ce que je viens de voir là. Ouais, t'en as beaucoup plus. Ouais.
L'île de Focus. Bonjour. C'est bizarre parce que. Ça nous parle sur Discord, les copains. Ah. Salut à toi, Guler. Ça s'est passé. Mais attendez, il m'entend au moins ou pas? Bonjour. Non, ça marche pas. Il est parti. Un, deux. Voilà, tu devrais m'entendre. Et il disait quoi du coup? Ah, comment ça s'était passé? 1, 2, 1. Ah, là, ça marche. Ça, ça fonctionne pas. Bah, ça s'est passé qu'on est tombé sur des gens qu'on connaît pas, mais sinon, ça s'est bien passé. Enfin, qu'on devait pas forcément rencontrer. Mais sinon, là, ça s'est bien passé. Pas ensemble. Toujours pas. Non, toujours pas. Merde. Non, mais c'est bon, au pire, je reste 2 minutes là-bas. Enfin, pense ouais, pareil, ouais, mais il est reparti, il va pas repasser, je pense. Non, je pense pas qu'il repasse. C'était qui? C'était Guler, le chef indi, je crois. C'est ça. Section de la voix, ta 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 ta. Non, ça devrait marcher. Guler. Pas très grave. Elle essaye de discuter, mais ça fonctionne pas. Bah, je disais bonjour. Guler. Bah Guler. Oui. Guler, il est chez les Andis. Ouais, Guler Bone, il s'appelle. C'est le 6ème. Mais t'as pas le droit de les move après, donc... Ouais. C'est le merd. Alors du coup, ça disait quoi? Un bâton divin, si tu peux. Ouais, y a pas de souci. C'était qui, Bidoche? C'est le heal. Ouais, je sais bien. Tout ce qui est, de toute façon, tout ce qu'on peut acheter, voilà, on achète. Ah. Hop. Un bâton divin, bâton divin. J'ai des carottes, je vais pouvoir faire à manger, pas les pins. T'as, j'en dépense des thunes là. Ouais, s'il faut après. Oh, t'inquiète, c'est bon. J'ai encore, j'ai encore 364 000. T'as vendu tous tes golds, non? Ouais, j'ai tout vendu. C'était un massacre complet. Ou pas, complet. Oui. Je suis un peu comme Pika, voilà. J'ai vendu la moitié, je me dis comme ça, au moins si ça baisse. Qui me demandait du coup remonte, c'était Bidoche. Je suis pas déçu. Hop. Il en est où là le cours du golf? Échangé. Ouais, il s'est bien bougé là. On va attendre cette nuit. Hein. Hop. Demain, on va voir. On verra si ça remonte ou pas, ça sera cette nuit qu'on verra la différence. Non, c'est tout bon. Personne n'aura besoin d'autre. Du coup, vous comptez faire quoi pour la fin de soirée? J'en ai aucune idée. Je pense que je vais couper d'ici un petit quart d'heure à 20h30. Il y a un petit tweet de Sardoche. J'attends votre info, mais je ne sais pas. Il y a un tweet quoi? Il y a un tweet Firon Cheval, CPD, comme GG, CPD, Narcus, CPD. Les décos aussi. Et par contre, les prêtres en faute line, c'est pas PD. De quoi? Ah bah les... Avec Fur en cheval. Les décos, t'as 10 secondes donc. Ouais. Le pire. Mais... Nous, on a Fir parce que. On était au moins contre 200 personnes, je crois. Bah, il y avait du monde dans la zone. Mais ils étaient nombreux. Voilà, du coup, il y a un round 2, non? Mais round 2, nous, on peut pas le faire, clairement, on a pas le stuff. Certes, il y a des gens qui ont du stuff, moi j'étais... Attendez.
Vous avez reçu l'info? Je regarde. Non, quelle info? Qu'il n'y a que toi qui as les infos. Il n'y a que toi qui as l'info à chaque fois. Je vous envoie ça. Ouais. Bah ouais, mais on n'est pas dans le winner bracket. Non mais regarde après. Début de la deuxième manche. C'est pas grave, nous on n'y est pas. Ah oui, loser bracket. De toute façon, on est à plus de 18. Sur les infos... Il a fallu qu'on retourne tout là-bas, on n'a pas le temps. Non mais on va déclarer forfait. Je vais lui annoncer clairement. Hop. On est tous à poil. Déclare. Tu organises pas. Au pire, il fallait faire l'arbre avant, savoir si on rejouait ou pas. Ouais, avec un arbre, ça aurait été, peut-être été pratique. Et faire du guild contre guild à chaque fois, en bas de 1v1, tu vois. Enfin, 20 contre 20. Ouais, non, mais même comme 4 guilds, c'était plutôt sympa le truc. Si tu fais pas d'alliance un peu bâtard, que voilà. Que tu t'attaques pas entre eux. Hop. Du coup, il faudra voir. Ça n'a pas été surfait du tout. Ouais, c'était pas tip top. Après, parce qu'on a pas de c'est un event, on peut rien dire. Ah, elle est juste en suspens, moi, on m'a dit qu'il y avait. Qu'il y avait donc. Je donne l'info qu'on m'a donnée. On m'a dit. Attendez, je me mute là. Hop, voilà. On m'a dit début de la seconde manche, 20h20, winner bracket. Juste après, début de la seconde manche, 20h20, donc sur une autre zone, loser bracket. Et donc, moi, j'ai répondu clairement. Que l'on déclarait forfait. Donc, j'attends clairement de voir si j'ai une réponse à ça. Pour voir ce qu'on fait exactement. C'est assez compliqué. On était déjà 19, vous voyez, il y a pas mal de monde qui est parti du groupe. Donc voilà. Ça va être assez compliqué pour nous. On a déjà eu du mal à trouver assez de joueurs qui voulaient participer avec nous, clairement. Donc je pense qu'il n'y aura pas de seconde manche pour nous. J'ai annoncé le forfait, à voir si ça va être accepté, mais dans tous les cas, je ne pense pas qu'il y aura autre chose. Je vais en racheter un stuff personnellement, par contre. On part sur une armure en palier 5. Là, ça va coûter plus cher, par contre. Armure moyenne. Donc moi c'est de l'assassin. Vous voyez déjà, ça coûte un stuff. 31 000. Casque moyen. On part là-dessus. Hop. Et sur des petites chaussures assassin. Voilà. Vous voyez, mon stuff ne coûte pas le même prix. Hein. Clairement. Très bien, ils se sont associés contre la Fail Academy. Comment ça? Comment ça, Tornade? Et on va aller chercher des armes. C'est où? Mêlée. Mêlée, c'est ici, palier 5. Ça s'appelle des dagues. Ah, il n'y a pas de dagues? Il n'y a plus de dagues en vente. Bizarre ça. Bon, c'est pas grave, on a des griffes au pire. Ça se voit depuis le début. Je vois pas ce que tu veux dire en fait. Pourquoi il serait associé contre nous? Ah oui non, il nous faut une cape aussi. Une cape en T5. Et un sac. Palier. Hop, c'est ici. Palier 5. Mais non. On remet à tout. Et on va chercher une cape. Cape. Voilà, cape de l'expert. On prend une cape et un sac. Cinq guilds sur vous. Ouais, c'est pas évident, mais bon. Après, c'est... comme on dit, hein, c'est le jeu m'a pas voulu 7. Hein. Nous, on n'a pas demandé ça. Après, certes, il y a des guilds qui nous tombent dessus. En soi, on ne peut rien y faire. Nous, on n'a pas eu d'informations particulières par rapport à ça. Donc c'est comme ça, malheureusement.
rentrer sur l'île de Guild tranquillou. Hop. Je suis retourné sur le curse aussi, également. Je suis dague. J'ai cherché du bois. Il n'y a plus de dague en vente. Ah, t'as tout acheté. De dague T5. Bah, t'imagines, là, tous les gens qui ont perdu leur stuff, je pense que la plupart ont tout racheté. Donc, ouais, mais j'avais. Si vous avez des trucs à vendre. J'avais des griffes. Des griffes T4 ou T5 T5, T5, j'avais des griffes T5 qui traînaient. Ok. S'ils étaient tous en jeu, ils devaient s'attaquer entre eux. Bah, normalement, oui, en fait. Mais je sais pas pourquoi il y avait. En fait, on est tombé sur. Il y avait des membres de le stream, la guilde le stream, des membres de Indy 3, donc indispensable 3, indispensable 4. On va vendre les petits poneys. C'était si ça compliqué. Part, on va se faire un joli petit pécule. Ah bah ouais, tu te fais un peu d'argent quoi. Je vais voir. Il y en a beaucoup en vente, donc je sais pas trop si ça part vite. Qu'est-ce ça, que j'ai moi part. C'est quoi du coup, il y a plus les mules si. Ça je vais le garder si quelqu'un a besoin. Les mules j'en sais en vrai. Mais, mais je vais faire le tri un peu, en faire de la vente. T'as les gros buffles là. Ouais, ouais. J'ai pas besoin de tout ça, je vais vendre tout ça. Ça se vend encore plus cher apparemment. Bah c'est bizarre, moi je préfère le cheval, mais c'est vrai que ouais, le... Tu peux farmer beaucoup mieux avec faire beaucoup plus. Ouais, ouais. Mais après le problème c'est la durabilité des outils quoi. Faut prendre deux outils. Parce que moi la dernière fois j'avais rempli mon cheval et ma hache a été cassée donc Ouais, avec le marque T4 j'avais eu trop de soucis. Vous êtes tombé dans un guet-apens. 45 000 le buff. Je sais pas. Ah c'est pareil, ok. Ouais, 44 000 le cheval et 44 999 le buffle donc bon. Ouais, okay. Il est arrivé ce qui est arrivé hein. Bon, c'est pas grave hein, c'est du stuff. Les buffs partent plus vite en c'est des sous, c'est pas un souci. On en avait dû au premium qu'on a eu. Avec l'OP, du coup, c'est pas grave. Par contre, sur les T4, il y a une grosse différence. Parce que les chevaux, c'est 88 000 le cheval, et le bœuf, c'est 160. Je mets tout en vente tranquillou, ça j'en ai pas besoin, je m'en sers pas. 100 000 de plus, quoi. Ah oui. Sur le T5, personne en manque. Du coup, ça évite que ça encombre mon coffre, ouais, je vois tout simplement. Hop. Ouais, bah ça, tu vas attendre. Tu fais un loup, Picard. Ouais, ouais. On verra, je sais pas combien d'XP ça donne de faire. Ça vaut que dalle. Ça va commencer à valoir un peu de sous. De faire ça, mais si ça monte assez vite, ça peut être stylé d'avoir des loups. Hop. Ouais, bah moi je vais pas au fight avec des loups, hein. C'est mort. Hein. Ah, si tu peux les croquer avec. Tu pleures quoi. Non, bah non. Non, je sais bien. C'est marrant des montées. Ils ont fermé la sortie avec une guilde et le reste vous ont attaqué. Ouais. Ouais. Je crois que tu peux l'avoir qu'en zone PVP, non? Ouais, faut avoir des territoires en zone. Faut avoir des territoires et tout, ouais. Ouais, c'est chaud. Du coup, c'est un peu tendu. Les places en mode de loup, ça peut être tellement stylé. Ah bah, c'est clair, mais bon. On va faire le remake de Ark, c'est ça. Et c'est pas grave en soi, moi je suis pas, vous le savez, je suis pas quelqu'un de mauvais perdant ou quelqu'un qui verrageait. Tu les plantes Je sais pas ce qui s'est passé. Je les plante, je les arrose. C'est en soi, on est tu sur un jeu. Tu dans le. Et hop. Donc c'est pas. Mange ta carotte. Moi je vais pas m'énerver pour ça. Ça ne sert à rien. Ah, moi j'ai mon bâtiment qui est fini, mais j'ai pas assez ramassé de carottes encore pour pouvoir. Ah oui. J'attends de voir si j'ai des infos. À moins d'en planter 9 dès le début, il attend assez. Bah non, j'en ai pas planté 9 puisque j'avais pas assez de focas pour les arroser. J'ai dit bah j'en plante pas 9, j'en plante mais, 3. Mais pour le moment, j'ai pas d'infos. Ouh, ça je m'embête un petit peu. Du coup, là j'en ai replanté 9, ça devrait aller demain. Moi je fais dans la diversification, j'ai plein de cultures différentes. J'ai fait du blé, j'ai vu pas à quoi ça sert. Tu fais de la farine, faut mettre le moulin après du coup. Ah ouais, d'accord. Moi je revendrai. Et c'est les cultures T3. Ouais. Pour les bulles T3 quoi. Voilà. Oliver, quand tu auras un moment, tu pourras nous donner un conseil sur Ark Supply. Mais je t'en prie, pose ta question. Ça va faire du. On se met en sourdine, hop, je suis tout à toi, Night Hunter.
Ou à tous. Coucou Mantis. J'attends les infos en même temps, du coup, j'ai pas de soucis pour répondre à ta question. Night Hunter. Ton conseil que je peux te donner, si je peux te donner. C'est un peu complexe à expliquer, mais en gros, as-tu une astuce pour faire un bon pont avec Pilar et Senning, car c'est un peu galère. Moi, sur la construction, c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider, Night Hunter. Clairement. La construction, c'est pas mon fort, donc... Je peux rien te dire là-dessus. Je suis désolé. Dépêche tout le monde. Ben, ça va très bien, et toi, Mantis? Il faut faire quoi pour bien évoluer rapidement dans le jeu? Instant, ça se fait, je farm. Ça dépend. Est-ce que tu veux évoluer par rapport au port de stuff ou est-ce que tu veux évoluer dans le crafting? C'est ça qui rentre en compte. Si tu veux évoluer par rapport au stuff, il faut faire de l'instance. L'instance, des petits donjons, tout ça. En petit groupe de 5, pas plus. Ça rapporte pas mal de... Pas mal de réputation, ce qui te permet de monter tes armes. Donc ça, c'est cool. Ouais, voilà, en stuff. Ça va te permettre de faire de l'argent aussi, et avec cet argent, tu pourras t'acheter du stuff, éventuellement. Et avec les reliques que tu prends et tout, tu vas récupérer. Pardon. Pardon. Avec les reliques que tu vas récupérer, tu vas pouvoir les vendre, et donc ça va te faire des sous pour t'acheter du stuff après. Est-ce que tu penses qu'il y aura des Dahu un jour sur Ark? J'en sais rien. Bon, qui a win dans cette poule? Je sais pas. On n'a pas les infos de qui a win, qui a perdu ou autre. Nous, on a perdu, clairement. On s'est fait rouler dessus par des équipes qui n'avaient rien à faire là. On n'a pas les infos sur qui en winner, qui en loser. On ne sait absolument rien. J'essaie de regarder s'il y a les infos sur le... sur le Discord. Mais il n'y a rien qui a été dit. Il n'y a rien qui a été dit par rapport à ça. Du coup, je ne sais pas. Ouais, c'est problématique. Ouais, un petit peu. Là, disons que... vu que t'étais pas là, on s'est fait rouler dessus en fait par un groupement de teams. Donc c'est un groupement de 3 teams qui ne se tapaient pas entre eux, qui sont venus nous taper dessus, qui n'avaient rien à faire sur cette pool. Donc c'est dommage. On s'est pas fait rouler dessus, on se fait attaquer en trade par derrière. Oui, ça va. Première team qu'on a tombé, c'était pas mal, on a réussi à se démerder, mais eux sont arrivés juste après. Je me suis redémute sur le curse, les gens, donc... Ne vous inquiétez pas si vous entendez du monde. Oui, en gros, ils ont mis la marche arrière sans faire exprès. Voilà. Ils ont écrasé. Ouais, c'est à peu près ça. Il y en a qui ont réussi à s'enfuir. Heureusement pour eux. Du coup, j'attendais des infos. Je n'en ai pas. C'est dommage. Je sais pas trop ce qu'on fait du coup. Vous faites quoi les copains? Hein? Vous faites quoi de beau? Ah bah moi je me suis dit plutôt que de tourner en rond sur mon île, je vais aller farmer 2-3 pierres pour monter mes bâtiments. Ah moi je farme pas les ressources. Glandouille en ville. Donc j'ai le souci de ça. Glandouille en ville, ça lag un peu. Ouais bah. Si vous voulez on va faire un petit tour de l'île de Guild, si vous ne la connaissez pas. Ouais. Donc vous pouvez trouver pas mal de crafters dans le coin. On fait un petit donjon expédition au pire. Des prairies. Ouais j'ai plus mes dagues, ça m'embête un peu. Ouais le truc voilà c'est ça. Le stuff. Mais on va aller sur une île d'un joueur pour voir.
Choisis bien, parce que si le gars il habite loin, tu vas payer cher pour y aller. Bon, ça devrait aller. Il a l'habitude, là, ce soir, il a bien casqué. De quoi ? T'as l'habitude, là, t'as bien fait chauffer la, la carte bleue, là. Ah ouais, bah là, c'est bien chauffé, ah, t'inquiète pas. J'ai dépensé la moitié de l'argent que j'avais, donc ça va. On va aller voir chez l'holomiste. Hop. Et voir ce qu'il fait chez lui. Voir un petit peu. Secrètement. T'as des DAC T5 Oliver en vente. Oui, il a une grosse île. À combien? C'est du T5.2. Ouais, mais T5.2, non, je vois pas. 3 millions. Bah oui, mais oui, t'as des DAC. L'Holomis qui a bien avancé, ouais, sur pour son ramasser le T5.2, il faut pouvoir ramasser le T7. Donc. Ah, faut les nourrir, tes petits moutons, hein, Lolo. Et tes chevaux aussi. Hein. Des moutons ? Ils mettront plus longtemps à grandir, non ? Ouais, c'est des moutons. Hein. Il y a des poussins aussi. C'est pas des moutons. Il y a des, y a des moutons et des poussins. C'est pour faire la bouffe. C'est pour faire la bouffe. Si je t'ai dit que c'est des moutons, c'est que c'est des moutons. Oui, je vais voir. Une journée à la ferme. Savez-vous reconnaître cet animal ? Ouais, il a plutôt bien avancé sur son île, ça, c'est sympa. De toute façon, les îles, faut s'en servir pour faire la bouffe, les popos. Tous les trucs qui sont pas en guilde, quoi. Oui, clairement. Puisqu'en plus, les bâtiments de guilde, pour les monter, si tu les mets sur ton île, t'en as pendant 10 ans, quoi. Ok, ok. Ben moi, je vais vous laisser, les copains. Moi, je vais couper de mon côté le live. Ouais, je sais pas si un de vous continue pour envoyer les gens. Pareil, Je vais faire pareil, moi. Ok, très bien. Ouais, bon, on va tous couper, je pense. Du coup, je vous fais des bisous. Merci tout le monde, les gars, les filles, s'il y en a, je ne sais pas, qui êtes présents sur le Curse, d'avoir participé avec nous. C'était super sympa. Un gros merci à vous et je vous fais des bisous. Sympa d'être venu et d'avoir joué le jeu. Ouais, des bisous à toi. Clairement. Ouais. Ciao, ciao. Du coup, les gens, nous, on va couper là. Je vais pas vous le cacher, hein, ça sert à rien de faire autre chose. J'avais rien de prévu pour ce soir. On n'a pas de groupe pour aller faire de l'instance ou quoi. J'ai plus trop de stuff, j'avais plus mes dagues. Du coup, différence entre instance A5 et donjon XP. Instance A5, tu auras que des sous, il n'y aura pas de loot, mais par contre, tu gagneras un peu plus de répute. XP. Non, l'inverse. L'XP, tu gagneras de l'argent, pas de loot. Et donjon, tu gagnes des loot. Donc pas de loser bracket pour vous. Non, on a déclaré forfait, Mantis. J'ai déclaré forfait parce que on n'était pas prêt pour faire un loser bracket. Clairement, moi j'ai plus de stuff. Il me reste des griffes, mais c'est pas avec les griffes que je souhaite jouer. C'est avec les dagues. Et une bonne partie de l'équipe n'avait plus de stuff et ne veut pas qu'on le repaye. Donc ce qui est assez sympa pour eux. Mais voilà. Du coup, moi je vous souhaite une bonne soirée. Malgré tout, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Ça fait 2h30 qu'on était ensemble. Je vous fais des bisous. Je vous rappelle, vous avez le petit cœur en haut à droite pour le follow sur Twitch si ce n'était pas encore fait. Vous avez également le Twitter et le YouTube dans la description. Je vous tiendrai informé des prochains lives sur Twitter, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, je sais pas si on peut dire week-end, un bon dimanche, une bonne fin de week-end, et je vous dis à très vite, des bisous, ciao ciao. Tell me I'm the only one that they would all like, but you're the only one that kept me alive.